claquette, c'est... pas ouf, hein. T'as pas une paire de basket? Non, j'ai pas. J'ai pas. Ah, non. Bah, peut-être qu'à choisir, c'est mieux les mocassins alors que les claquettes, hein. Sinon, pieds nus, non? Pieds nus, ça le fait? Non, non. Bah, non. Non. C'est une randonnée, hein. C'est une rando, hein. On va marcher sur des cailloux, il va y avoir des ronces, va y avoir des tu vois, il y a de la faune et de la flore, donc... Ok, ok. Non, mais les claquettes chaussettes, c'est... Bon, bah écoute, force, hein. Parce que, non, ça va le faire. Leroy, tu veux pas que je te prête une tenue? Je dois avoir un truc qui traîne, viens. Mais c'est pas obligé, je suis bien comme ça. Non, mais il est heureux, laisse-le heureux. Leroy, tu vas pas y aller en claquettes chaussettes dans des montagnes, tu vas t'arracher les pieds. Mais non, t'inquiète pas, je suis un homme de la nature, Yannick Noah, tout ça, je connais. Ça va? Ça va très bien, toi. Ça va. Tu m'as battu, putain. Ça fait quoi aujourd'hui? Yannick Noah, je kiffe. Bâtard. De la crime. Moi, j'ai essayé d'ouvrir mon compte Insta, mais j'ai pas eu le temps. D'ouvrir ton quoi? Mon compte Insta. Ah. Parce que je veux ouvrir une chaîne pour la fashion et les potins. Pour la fashion et les potins? Oui. Qu'est-ce qui arrive? Les potins de la fashion. Hein? Les potins de la fashion. Oui. Du coup, ça va s'appeler Bobby les potins. Comme ça, c'est Bobby tripotin. Mais c'est les potins. Ouais, c'est pas con. Oui. C'est pas bête comme idée. J'aime bien. Voilà. J'ai kiff. Donc, j'ai fait faire ça. T'as qu'elles arrivent ou pas Ils sont passés où, tout le monde? Oui, ils arrivent, ils finissent. Ils... Attends, je vais ranger ma pétrolette. Vas-y. Attends, hey, Bobby, je peux essayer vite fait ta pétrolette ou pas? Ouais, mais il faut que je te donne les clés parce qu'il y a pas de place. Ah, coup, alors. Je peux pas allumer le moteur. Attends. Alors, donne-les-moi vite fait et après je te les range. Je vais juste essayer. J'ai une simple curiosité. Hop, deux secondes. Tiens. Merci. Voilà. De rien. Bouge pas. Je vais te la ramener. Bouge pas. Je veux juste essayer. Elle est trop belle ma pétrolette, hein. C'est quoi ça? C'est ma pétrolette. J'en veux une. Elle est trop belle. Tu sais que ça coûte quand même un sacré prix pour ce que c'est. Hein. Ouais, franchement, 9000. 9750. Je veux la chourave. Voilà. Pas la mienne, non, hein. Non, pas la sienne. Non, pas la tienne. Promis, hein. Ah oui, oui, oui. C'est mon seul moyen sinon, de transport. Sinon, je te le dirai pas. Bah oui. Bah après, des fois... Ça. Ouais, je sais pas qui fait ça. Bizarre. Bah oui, bizarre. Ouais, d'accord. Elle avance bien, hein. Il va me la défoncer. Tout à l'heure, il a fait un accident juste devant le loose. Alors tu l'as modifié? Tu l'as modifié ou pas? Pas encore. C'est génial. Je veux la même. Je veux la même. Je te jure, Poppy. Non, t'as moi. Je veux la même. Non, je veux la même. Je te jure. Tu sais combien ça coûte, ça? Combien? 9000. Quasiment 10K. Ah ouais. Comment t'as dit ça, toi? Je l'ai appelé bro. Bah, parce que, en fait, il y a monsieur le maire, il m'a payé 5000 dollars pour l'interview. Et après, Ross, il m'a aidé un peu pour la fin. Et du coup, je l'ai appelé bro parce que c'est une référence à Bull et Ross. Bull et Ross? Oui, bro. Parce que sinon, ça s'appelait Bros, mais c'était bizarre. C'était vrai. Du coup, c'est mon copain bro. Voilà. Très bien. Je vais la ranger derrière le truc qui arrive. Je suis trop fan. Ça va, Panda? Et mon auto. Et la tongue aussi. Fais attention. C'est la ta voiture, ça? Ah oui. Waouh. Finally have a day off. Bueno, lo que sea. Du coup, j'ai pas la... Ah, super.
Tu sais que je sais pas siffler. J'ai entendu ça hier. Ouais. Enfin, quand tu me sifflais pour que je vienne. Ouais, c'était... Voilà. Ouais, il y en a qui savent... Toi, tu sais ? Il y en a qui savent pas siffler. Mais eux... Voilà. Tu veux siffler, toi ? Ouais. Vas-y. C'est compliqué, quand tu ris, c'est quoi ? Quand tu souris, c'est bien, c'est compliqué de siffler. Je suis sûr que tu dis que tu sais siffler alors que non. Si, si. Vas-y, montre. Attends, parce que du coup, avec le sourire, je te jure, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, j'ai passé un peu la soirée avec Kurt, tu sais, le fils de David, tu vois qui c'est ? Ouais, je l'ai rencontré. Oh là là, mais pépite, lui. Il est trop gentil. Ah, tu vois ? Avec les contractions, on dirait moi. on dirait moi. Pareil. Vous êtes trop pipou, vous m'avez grave gâté. Merci beaucoup, mes amours. Ah ouais, t'y arrives bien. Non, j'y arrive pas. C'est pas pour moi. Tant pis. J'ai pas les lèvres assez musclées. J'ai pas assez sucé de bonbons. Je te rassure, j'ai pas sucé de bonbons pour savoir siffler. Ah bon ? Non. Ah, moi je croyais qu'il fallait sucer beaucoup de bonbons pour pouvoir siffler. Non. Ah, bah tant pis. Et du coup, sinon, je pense que Noah serait bien siffler. Noah ? Pour qui c'est ? C'est qui Noah ? Le roux qui est résident là. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Bah il m'a l'air assez efféminé et pour lui je suis l'homme de ses rêves donc. Ah, il aime les garçons. Je crois que oui. Oh, t'as une touche. Bah, juste parce que j'ai ramené une salade. Parce qu'il attend après qu'on lui ramène à manger. Bah après, faut pas se mentir, t'es quand même pas vilain. Hein. Il a du goût. Bah, c'est gentil. Je crois, oui. Bah après, non mais c'est vrai, t'es pas moche, tu vois. Il y en a, ils sont moches. C'est pas leur faute. Oui, y en a, ils sont pas gâtés par la nature, mais après... Non. Mais après, tu sais ce qu'elle me disait, ma mamie ? Tu disais quoi ? Que la beauté, elle n'est que dans les yeux de celui qui l'aime. C'est bien vrai. Oui. Attends, Leroy, il vient avec nous ? Ah, c'est le... Oui, oui, il va faire un entretien avec nous. Toi, tu prends ta voiture ? Bah oui, mais après j'ai tourné. Ah oui, bah je peux monter avec toi. Ouais, bref, je vais rien dire. Je vais bien m'occuper de vous, vous inquiétez pas. Un entretien là. C'est où ta voiture ? Alors, ouais. T'étais là ? Ouh, y'a Fab, y'a là, avec ton petit cul. Bon, allez, tout le monde en route, c'est bon ? Ça va, Lorena ? Si, c'est bon, bon appétit. Si, c'est bon, d'accord, oui, c'est bon. D'accord, d'accord. Moi j'ai pas de sac de rando. Eh bah on va bouger, madame Lorena. Oui. Ils n'en vendent pas pour les dames. Parce que c'est trop lourd, il a dit. Ok, super. Attends, mais Lorena, tu viens avec le Weasel. Ah, tu couvres l'article ? Ah, tu le couvres ? Ah non, non. Non, 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 mais c'est cool. Ouais, non, écoute, je fais un petit peu de la presse de rue là pour voir ce qui se passe à droite à gauche. Super, t'as raison. Ouais. Bonne randonnée. C'est où déjà, combat ? Ouais. C'est où, combat déjà ? Au niveau de Paleto, le parcours vital. C'est point de Paleto derrière chez toi, Jacob. Ah, voilà, exactement. Ah, bah je connais. Impeccable. C'est bon ? Ouais, c'est noté. Bah, c'est bon. Eh bah, let's go. Waouh. Mais regarde, Kurt. Attends, je vais lui dire de venir. Attends. Kurt, descends. Oui. Viens. Quoi ? Oui. On va dans la voiture des VIP. Kazé, t'inquiète pas, y en a un qui nous suit, je le marre. Ouais, ça marche. Oui. Oui, vas-y, monte. Avec ce que j'ai dans le sac, y en a un qui nous emmerde. Y a pas une place. Kurt, je te présente. Vas-y, monte, David. Je te présente Ross et Ross te présente Kurt. Bonsoir, monsieur le Ross. Comment allez-vous ? Bah ça va très bien, merci, toi. Bonsoir. Oui, vous faites quoi, j'en ai vu ?
Il est flic. Le grenier reste là ou pas? Il travaille à la police. Faut toi, il faut que tu suives le tutut. Et du coup, t'as trouvé du travail, Kurt? Bah non, mon père, il m'a dit ce soir, t'inquiète. Il va avoir un rendez-vous, juste ça se met en place, en fait. Il faut être optimiste un peu dans la vie. Pour la mairie. Voilà. La mairie? Voilà, on attend une réponse pour travailler à la mairie. Mais et voilà, si tu peut-être que Bobby pourrait t'aider. Oui, Bobby, si tu peux m'aider, parce que... Attends, bouge pas de la peine. Tu voudrais faire quoi, la mairie? Parce que... Agent d'entretien. Ou maire, alors. Ça dépend, un dégât. Bah non, pas maire. Bah pourquoi? Parce qu'il y en a déjà un. Oui, bah écoute, ça en fera deux, ou alors il dégage, à un moment donné... Oui, je suis au SSP, est-ce que je peux vous rappeler dans... Deux minutes, je suis au SSP. Oui, pardon. D'accord, monsieur le maire, merci. Je vous rappelle, à de suite. Bisous. T'es remballé là, Bobby? Non, il est au SSP, il a un rendez-vous. Bah, déjà, il m'a répondu, hein. Il répond pas à tout le monde, hein. Oui, c'est vrai, Bobby, t'as raison. Moi, je suis une VIP. Ouais, oula, le pare-brise a pris cher. Pardon. Et du coup. Tout le monde va bien, là? Vous avez passé une bonne journée? Du coup, Carl, t'as déjà fait la randonnée, David aussi? Non, moi, j'ai jamais fait toute ma vie. Bah, moi, j'en faisais tout le temps en Irlande. Ah ouais. Oui, ben tu m'étonnes. Bah y'a que ça. Oh, il y a le manche, il y a de la neige là-bas. Oui. C'est de la neige? Ouais, en haut du manche il y a. Ah. Il peut bien. C'est beau. Oui, sûrement. Oui. Ça doit te faire bizarre, toi, le temps ici, vu qu'en Irlande il pleut beaucoup. Oui, franchement, j'ai tout le temps chaud et je suis tout le temps moite. Ah, mais je sais pas. Ah, d'accord. C'est trop désagréable. Et c'est à cause de la température? Oui. Et du coup, maintenant, j'ai l'arrière de mes genoux, ça me gratte. Bah, parle-en, parce que ça... Non, ça va. Ça vous rien gratte pas, genoux. Vous? Oui. Comment ça? Bah, parce que je suis moite à l'arrière des genoux, maintenant. Ah, mais faut mettre des... Youhou. Faut mettre des couches, non, faut mettre du coton, là. Ouais. Du coton? Non, moi, j'ai vu un truc. Alors en fait, Bobby, ce que tu fais, oui. En fait, tu coupes un citron en deux. Oui. Tu mets des clous de la girafe dedans. Oui. Et tu le mets sur ton genou et t'attends environ 2 à 3 mois. 2 à 3 mois, putain. Ouais, 2 à 3 mois. Ouais. Ça va sans faire bouger. Comme le cobble. Ça va macérer. 2 à 3 mois. Je vais essayer alors. Ouais. Mais je peux me baigner avec? Tu bouges pas, tu restes assis 2 à 3 mois avec le citron sur le genou. Ah, mais non, mais je pourrais jamais me soigner. À un moment donné, soit on veut pas, quoi. Ouais, Bobby, merde. Mais pardon. J'ai oublié. Bon, ben. Et pourquoi tu me fais des doigts, là, papa? T'as dit quoi? Oui, là. Attention, attention, vidéo, attention. Non, c'est une moto. J'avoue, pourquoi tu fais tout le temps des doigts de David? Non, je fais pas de doigts. C'est le rogue dans la peau, c'est juste ça. David, il m'a tapé deux fois aujourd'hui. Oh non, j'ai pas fait que ce soit. C'était vraiment pour la protéger des moustiques tigres de à peu près 10 cm d'épaisseur. Ouais, enfin, il m'a mis quand même deux patates dans la tronche, hein. Oui, je t'ai fait 2-3 galères en échange. Oui, c'est vrai. On va où la randonnée? Je suis désolé, pardon. Au final, j'ai l'impression que c'est pas tellement une randonnée parce qu'ils veulent aller au parcours vital. C'est quoi le parcours vital? C'est une espèce de parcours sportif. Mais je voulais faire du sport. J'ai pas compris. En fait, on s'est fait baiser là. Bah oui. Moi, je voulais me balader dans la forêt. Parce que moi, j'ai un rendez-vous pour un travail. Hein. Bah fallait pas venir alors. Si j'ai la voiture, c'est justement pour si jamais vous avez besoin de vous déplacer, je peux vous ramener. Ah bah génial. Mais de toute façon, si t'as accepté de venir à la randonnée, là on ne revient pas jusqu'à demain. Oui, de base on est censé dormir, mais non. Ah ouais. Bah non, il a dit qu'on pouvait il a dit qu'on pouvait vous pouvez revenir si vous voulez. Oui, non, mais à la base de la base, t'es censé. Oui, la base de la base, oui. Mais après la base, là, j'ai l'impression. Oui. Voilà, la base de la base. Personne, il va te dormir. Hein. Ou toujours la banane. Après, on sera bien.
c'est là. T'as vu les tenues que j'ai fait? J'aime trop. C'est vrai? On dirait un Canadien. Ouais, non, ouais. Non, un Irlandais. Bene, bene. Non. Bene, bene. Pardon. T'es pas assez roux. Ah ouais, bah non. Hop, il est où, Leroy? C'est bien ici que tu voulais venir, Kazé. Ouais. Bon, après, on sait, on pouvait aller n'importe où du moment qu'il y a un peu de fond. C'est très bien ici. Leroy. Je vais envoyer l'adresse aux autres. Envoie l'adresse aux autres et envoie un message à Leroy ou appelle Leroy. Il est là, Leroy, j'attends sa voiture. Bah, je l'ai pas non plus. Putain, sa voiture, il est là. Fais pipi, vous regardez pas. D'accord, oui, on regarde pas. Promis. Hé, laisse-moi ça, toi, là-bas. Non, mais je regarde mon chiliade. Ouais, mon chiliade. Bon, on va attendre que Bobby finisse son pipi. J'en ai pas pour longtemps, mais laissez-moi faire pipi. D'accord. Oui, bah, on s'approche pas. Mais vous retournez, il y en a, ils regardent. Non, il y a personne. Il y en a, ils regardent. Non, on va regarder par là-bas, au moins. Ça. Oui. Regardons. Laisse-moi faire pipi. Ouais, voilà, c'est génial. C'est des beaux arbres. Voilà. Un peu de sable. Du coup, Louiselle fait un petit article sur notre sortie. Ouais. J'avais dit, ok, top. Maman, la VM du Seigneur, pardon. Pas mal, l'auto. Pas mal. Bon, Bon, allez, les gars, non. Oh, allez, en fait, c'est un prank. Ronnie, maman, Seigneur, le TDS. Voilà. Bon, pas compris. Donc. On va commencer, du coup on va marcher un petit peu. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de trouver un coin sympa. On va faire une petite marche, on va marcher tranquillement. Dès que vous trouvez un coin sympa, on juge à l'unanimité que le coin est sympa. On se pose, cabane, feu de camp, on discute et ceux qui veulent dormir sur place, vous dormez sur place. Ok? Ça vous convient? Non, c'est super. Kazé, Rousse, des objections, quelque chose à dire? J'aurais choisi un autre endroit pour toi. Parce qu'il y a pas y a quelqu'un, il a du papier. Quoi? Veux du papier? Non, t'approches pas. Et t'es où? Je te vois pas. Je suis dans une piscine. Attends, je te rapporte du papier. Attends. Oh, envoyez une femme. Vous êtes. Mais après, je marche en reculant. Il n'y a pas de femme. Je marche en reculant. Tu me dis quand je suis près de toi. Non. Ouais, mais je te regarde pas! Va-t'en! Ok. Ah, tu veux du papier ou pas? Oui! Et ben alors? Pourquoi tu voulais aller où, Ross? Je fais du moonwalk jusqu'à toi! Je te dépose le papier, je pars! Faut du papier! T'es où, Poppy? Tiens, torche-toi avec le bloc-notes du Weasel. Je pensais au canyon, tu vois. Je pensais au canyon, le problème c'est que canyon, il y a beaucoup de jaguars. Et si demain il y en a qui se réveillent un peu plus tôt, bah pas que. Maman! Je vais prendre un carnet dans la voiture. D'accord. C'est pas un des panthères. Désolé! Ouais, pas de soucis. D'ailleurs, vu qu'on est en territoire hostile, j'ai besoin de dire des putains de sacs. Bah après, si tu connais mieux, si tu veux qu'on aille au-dessus, moi je suis ok. Faut m'arrêter qui non, mais remontez dans les véhicules, on va aller. Tu veux qu'on bouge, Rose? Allez. Ouais. Bon, bah là, c'était super, c'était l'expert. Et c'est terminé. C'était super. Eh ben, c'était drôle. C'était pas mal. Cool, en tout cas. Allez. Ouais, merci, t'es super. Ouais. J'ai pas compris. Ça a été ton pipi, Bobby. Ouais. On va changer de destination parce que pour la randonnée, ça serait mieux. Heureusement, j'ai mis des bottes hein, parce que quand j'ai fait pipi, je m'en suis mis tout partout sur les pieds. Pas ma faute, t'as ricoché sur un caillou. Oh là 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 là. On est pas le pare-brise, monsieur. Oh, regarde, il y a un chien! Oh, t'as failli écraser le chien! Là, vous avez failli l'envoyer. Écraser le chien là! Allez. Non, je l'ai pas écrasé. Hein. Non, on va attendre tout le monde. Oui! Waouh, le soleil il est trop beau! J'ai pas compris, on fait quoi?
En gros, il voulait faire une randonnée, sauf que ici, il voulait qu'on marche, qu'on trouve un endroit où ça se posait et tout. Sauf que ici, c'est pas un bon endroit pour une randonnée. Du coup, je les amène à un autre endroit. Où ça? Canyon Road. Hein? C'est un canyon avec une rivière, etc. Oh, il y a une rivière? Ouais. On va pouvoir se baigner? Oui. J'ai pas pris mon maillot. Non, mais voilà quoi. Puis on ira à un magasin de pêche. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, Kurt? Ah, mais je suis dans la voiture VIP. Ah! Y'a le téléphone. Oui? Oui, t'inquiète. Pourquoi tu... Ouais. Je comprends pas. Quoi? Mais comment c'est, ils sont partis? Mais mon père, on l'a oublié là-bas. Allô? À gauche, là. Ah, attends. T'es dans le bus. Je vais t'envoyer une pause... dans le bus ou pas? Oui. Ah, ok. Fais une blague. Oui, mais moi je suis dans le truc VIP, les gars. Dans le truc VIP? Bah oui, c'est la voiture des VIP. Je suis dedans, donc forcément c'est la voiture des VIP, hein. Oui, c'est vrai, Bobby. Eh oui. Conduit comme un pied, J-Con, hein. Ça suit ou pas? Je crois pas. Si, ils arrivent. Je crois bien, alors. Est-ce qu'il y a... On va peut-être se faire agresser par les animaux de l'heureux. Oui, mais c'est pour ça que du coup, J-Con, il a une arme pour... s'il y a des pumas... Ouais, d'accord. Comment ça, il y a des pumas? Oui, Leroy. Des ours aussi. Canyon Road. Hein? Je t'envoie la poste quand je suis arrivé. Vas-y. Oui, il y a des pumas dans la nature. Non, mais. Regarde, il y a une mine de petits lapins. Oui, petit lapin! Ça suit ou pas, là? Ils ont un bus, hein, n'oublie pas quand même. Oui, mais je vais doucement. Ouais, enfin... T'es vite dit, quand même. C'est trop beau par ici. Oui, c'est magnifique. Oh, regarde. Wow. Chacal. Trop beau. En vrai, on peut même se garer plus bas là-bas. Titi? Ouais. Ouais, c'est escalade ce soir. Escalade ou randonnée? Wesh. Je crois que ça va être les deux. Non, mais c'est ça que tu as dit. Bah non, randonnée parce qu'il y a tout le long de la rivière à faire. Il y a des endroits où on peut se poser. Non. Comme par exemple, regarder. Il vient de dire le long de la rivière en plus. Moi je fais confiance. Ah oui, grave. Il n'y a pas hiking? Comment on écrit hiking? Il y a même des pêcheurs. Se baigner. Ah oui, il y a des pêcheurs. Ah voilà. Pour ceux qui veulent, ils pourront se baigner, etc. Il faudra juste, peut-être, pour ceux qui n'ont pas de maillot, si vous voulez passer un magasin de vêtements. Ouais, la tente des pêcheurs ne compte pas comme une cabane. Allez pas lui voler pour faire votre pied ce soir. Exactement. Ouais. Bon, on démarre cette randonnée. Oui. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Allez. Ah oui, en super. Hein. Allez. Eh voilà. Ben, allez. Parti. On va les suivre. Voilà. Moi, marche avec eux. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour. Bien, ça va? Tu vas bien? Waouh, il est gros ton sac à dos, toi. T'as vu, moi, le mien, c'est un nounours. Ils font un pèlerinage. You're tripping. Peut-être. Fuck, man, cool, eh. Waouh. Non, mais non, mais Leroy, c'est une blondée. Pose ta voiture derrière. Okay. Attendez, on va attendre Leroy. T'as pas de sac à dos, toi? Trop bien, il y a des ribots dans l'eau. Il y a des bouts de bois dans l'eau? Oui, il y a des bouts de bois dans l'eau. Ah bon? Oui. Des bouts de bois dans l'eau? Ah oui? Ah oui. Ah oui. Oui, il y a des bouts de bois. C'est normal, il y a des castors, il y a des bouts de bois.
Bah excusez-nous, ça s'appelle du la bois rando flotté. Alors qu'il en a jamais fait. Il n'y a pas besoin de connaître la rando pour savoir qu'il y a des... C'est super. on regarde tous la télévision. Oui, t'es pas faux. Bon, ça va. T'es trop un fada de la rando, toi, ça c'est bon. Il est là. Ça va, tes claquettes. Ouais, ça va. D'accord. Et toi? Ouais. Putain, t'as pas envie de faire pipi? Non, c'est bon. Je m'en suis mis tout plein les bottes. Oh. Mais oui, mais ça sert à ça. Au moins, je peux me faire pipi sur les pieds, je suis tranquille. Va nettoyer, va dans l'eau. Va mettre tes pieds dans l'eau. Attendez, je vais la noyer. Non, Leroy. Un bénévole ne ferait pas ça, Leroy. C'est pas ça, c'est la bénévole. Tu veux faire plouf? Ah, on va faire plouf, toi et moi, tu vois. Allez, viens. Non, il y a trop de monde autour. Ah, bon, tant pis. C'est bon, j'ai nettoyé mes bottes. C'est une activité à team, ça. Oh, se caser, vous pouvez superviser devant, je supervise derrière. Allez hop, pop, une, deux. Ah, on n'est pas à l'armée, Poppy. Bah, il y a un peu d'énergie pour Poppy là. Oui, ouais. Poppy. Tout doux le loup. Ah. Bah oui. Poppy. Tout doux, oui. Tout doux. À cette vitesse, tu vas vite être fatigué, hein. Ah bon? Ah oui. J'ai envie de voir tout plein de trucs. Moi aussi je vais monter, t'es là-haut, viens, on va monter. Bon, c'est tentant quand même, mais je vais pas faire. Ah, tu vas bien. Regarde, t'as combien de sautes? Vas-y, 1, 2, 3, 2. 2 buts. Je veux dire à ta mère. Oh mon dieu. Quand t'as combien de sautes? Mauvaise idée pour sauter là, les gars. Combien? N'oublie pas que Ophélia n'est pas encore là pour vous soigner. 1, 2, 3. Ah merde, je devrais pas donner la nouvelle position. 1, 2, 3, 1. Voilà, t'as perdu. Saute. Mauvaise idée. Y'a pas de vaccin, hein. Non, il le fait. Non, fais le pas. Non, mais il va le faire en bas, il va le faire en bas. Il prend des lents là. Vas-y. Il prend des lents. Mais Kurt, tu vas te faire. Pas très profond. Allez, Kurt. Y'a pas de profondeur. Tu veux, je peux te pousser, hein. Saute au bon endroit, hein, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Oui, je dois calculer la distance. Mais ne calcule rien, tu vas t'éclater comme une crêpe au sol. Y'a pas de médecin, Kurt. Mais c'est même pas le problème, y'a pas de profondeur. Oui, et en plus de ça, avec les rapides, tu vas vraiment te faire mal, donc vous avez voulu me tuer, vous êtes du matin. Voilà, moi jamais je tomberai dans les panneaux. Bah non, mais. Alors, t'es pas tombé dans le panneau, t'es tombé dans la montagne. T'es tombé tout au court. Ça va? Ça va, Kurt? Ça va. Ok. Je crois qu'il se casse la figure au moins de 5. J'aurais mieux j'attends dans le panneau. C'est bien, tu t'as pas fait avoir, c'est bien. Il fait quoi? C'est qui boite là-bas? Il est en train de cueillir des choux là. C'est Leandro. C'est si là-haut. Hein. Pourquoi il boite? Bah je sais pas, pose-lui la question. Parce qu'il a sauté. Tu t'es fait mal? Ah oui, mais c'est vrai, t'as eu l'accident toi. Ouais. Oh là, je l'ai. Attends. Weasel News, bonjour. On est deux à boire. Weasel News, bonjour. Oui, ouais, pour savoir si on pouvait faire un flash news, s'il vous plaît. Un flash news, c'est vrai, pourquoi? Pour une annonce de la plus haute importance, madame. Par rapport à quoi? Par rapport à, comment dire, à la santé publique et au bien public de tous les habitants de Los Santos, mademoiselle. C'est un news de fou, là, je suis au Weasel. Est-ce que vous y êtes ou pas, vous, là? Moi, j'y suis pas. Essayez de rappeler pour voir s'il y a quelqu'un d'autre. Ok, bah bon appétit à vous, madame. Désolé, je mange des tomates, on est en randonnée. Du coup, normalement, quand vous allez là-bas, vous donnez votre carte d'identité et c'est gratuit. Vas-y, bisous, on se recaptera peut-être maintenant. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Mais pas de soucis, avec plaisir, c'est le SMD qui vous l'offre. Oh, bah, c'est incroyable. C'est super sympa. Ça fait du bien de respirer un air qui a rien à voir avec celui de la ville. Ah, je sors des bisous. Ouais, tu l'as dit, hein. Ouais, ça fait du bien. Je sais pas, j'ai de la bouchée, donc. Ça va, cœur? Oui, allez. C'est vrai, j'ai un peu mal, mais c'est vrai. Je m'étonne. Wow. En tout cas, on n'est pas pris de plus personne. Ça lui a tourné la tête. Mais c'est fait exprès, hein.
Non, je... J'ai pensé à tout, hein. Moi je me suis dit, j'ai pas envie de m'abandonner dans la forêt. Ça me prend l'odeur dans ta cour. Inspire, expire. Comment ça que tu fais l'air comme ça, hein? On prend à gauche. On se prend par la gauche, c'est ça? Allez. Non, on se prend par la gauche. C'est trop bien. Allez, t'aimes bien, Leandro? Il m'a pris pour un peu. T'entends? Ça va pas? Un petit ski. Oui, ça va. D'ailleurs, énervé ou fatigué, t'es sûr? Oui, ça, c'est les meilleurs. Oui, ça fait longtemps. Oh, j'ai envie de les... Tu me dis, hein, s'il y a besoin. Allez, hop là. Demain, t'achètes. Ah, le bâtard, ouais, bah ouais, du coup. C'est qui t'a énervé? Personne, je suis pas énervé, Bobby, t'inquiète pas. Si j'étais énervé, je serais pas là pour poser mes nerfs, je sais pas qui. D'accord. Si t'as besoin, tu me dis, hein, je suis là, d'accord? Oui, t'inquiète pas. Avec ta patte molle là. Allez, cœur. Moi aussi, si t'as besoin, tu me dis. D'accord. Ta grand-mère, fais ça pour ta grand-mère. T'hésites pas. Hein. Ta grand-mère, elle l'aurait fait facile. Jamais! Pas mon copain. Ma grand-mère, elle l'aurait fait en quoi tu te maries, Oui, c'est vrai. Ouais, félicitations. T'es qui va se marier? Non, Mimi. Mimi est parmi nous, d'accord. T'es qui va se marier? C'est moi, Poppy. Ah ouais? Ouais. Quand? Bah, tu viendras. Attention de pas tomber. Oui. Le 29. C'est vrai, tu vas te marier pour de vrai? Oui, pour de vrai. Waouh. Félicitations alors. Bah, merci beaucoup, je t'ai un carton d'invitation. Ma fille. Tu me dis s'il faut amener des cadeaux, hein? Bah oui, amène des cadeaux. D'accord. C'est dire non un cadeau, elle. Mais personne il dit non à des cadeaux. Alors si, les gens qui n'aiment pas recevoir. Puis il y a des gens qui aiment pas. Alors, moi j'aime bien les cadeaux. Bah oui, cadeaux, qui aiment pas recevoir. Hein. Qui c'est qui aime pas recevoir? Il y a des gens, ils aiment pas quand d'autres personnes utilisent leur argent pour eux. Il y a un crépin! Attention, il y a un enregistrement. Attention, il y a un enregistrement. Là! Par contre, Leandro, il est dans un sale état. Ah ouais, non, mais lui, il s'est fait croquer tout cru, lui. Ouais, ça va, et toi? Putain, ouais. Panthère de merde. Mais c'est super dangereux, la randonnée, hein. Mais normalement, celui qui a l'arme, il est pas censé ouvrir la route. Ouais, si. T'habilles-toi bien, Leandro. Oui, t'habilles-toi bien. Dans le guide de survie, il y a écrit que c'est toujours celui qui possède la plus grosse arme qui doit... Oh mon dieu, hein. Oh mon dieu, hein. Ah mon copain. Mais ils ont d'où, ils viennent pas tranquille. Elle est pour moi. Elle est pour moi. T'es un monde derrière. Oui. Rose, ça va? Par contre, si tu descends, t'étais foutu, hein. Ne descends pas. Eh mais t'as, je te bécane où, toi? Bah monsieur, il a laissé, écoute, il est parti. Il me l'a donné, hein. Eh bah, t'as gagné une bécane, félicitations. Voilà, on va l'amener jusqu'en haut. Un bécane. Faut rentrer. T'en as gagné une bécane, attends, on va ramener... Prends Kurt, le pauvre, il aime pas bien, lui. Ouais, attends. Kurt! Oh non, mais... Ah bah ça, c'est... Faut pas chourave. Eh oh, eh oh. Eh, on chourave. Tu files du mauvais coton. Ça va, Leandro? On a pris les lampes. C'est moi qui ai des ceux qui étaient devant. L'entrave quand tu mets d'abord. Oh mon dieu. Oui, parce que Jekon, je disais normalement celui qui a l'arme, il est censé ouvrir la route. Non. C'est vrai, mais il fallait discuter avec Leroy. Ouais, je pense que je vais me mettre devant parce que là. Bah oui, mais il y a des choses peut-être plus importantes, la vie des gens qui t'emmènent en rond. Ah oui, non, mais ah bah oui, je sais, je vais me mettre devant. Ouais. Ça m'a servi de leçon. C'est pas de sa faute, Bobby. C'est pas de sa faute. Ben il a l'arme. Oui, je vais tirer. Toi, t'en as pas.
Oui, mais c'est pas grave. Dans le manuel de survie, il y a écrit que c'est celui qui alarme qu'il faut qu'il soit devant. Il y a Ophelia qui va arriver pour regarder tes blessures. Attends, je lui ai fait les premiers soins, je lui ai mis un petit bandage. Allez, ça allait ? Bien, ça va. Qui est blessé là que je le ramène ? Il y a Ophelia qui va arriver pour le soin. Ah. Ah bah là, okay. Allez, là, ah, monte, ça va aller, ça va aller. Si je me mets derrière, je vais devoir m'accrocher, je vais devoir. Non, mais c'est moi, tu peux. Il y a Ophelia qui est là. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. C'est dangereux là. Elle est dangereuse. Monte. Ça va, elle est bonne, t'inquiète pas. Non, moi je me suis gommé en moto un peu plus tôt en service. Oh là là. Ouais, mais c'est juste que j'ai une attelle du coup pendant encore quelques heures je vais boiter. Encore toi. Il y a des mondes avant. Bah dis donc. On va déposer la moto là-haut comme ça moi. T'as la boue de viande. Non, parce que attends, s'il y a un autre puma, on est dans la merde hein. Attends. Reste avec Coco. Non, mais pas là-haut, t'es juste là. Ah oui. ça va, il est confortable. Attends, tu veux que je retire le sac? Tu vas t'en apnée ou quoi? Bah oui, j'ai ton sac, il est collé dans ma tête. Tu veux que je le mette dans le coffre? Il n'y a pas la place, hein, je crois. Pire, remarque, t'as un mec qui est rentré dans le coffre, donc. Il s'est mis dans la peau d'échappement. Bah, tout va bien. Ouais, tout va bien, ouais. Hop, 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 barbatrouk. C'est tout pareil. Encore, y'en a un. Mais y'a pas. Ah, mais oui, là-haut. Mais oui, mais tu vois, c'est. Ah non, c'est une bibliothèque. Regarde là, il est là. Ah oui, là, encore. Non, c'est la note. Il est pas encore. Oh non, mais c'est incroyable, y'en a combien? Ah bah, en tout cas, on a gagné une moto, hein. Oui. Oui, alors voilà. Il est où, Kurt? Voilà. Je sais pas où il est. Non, mais à un moment donné, il est où, Kurt? Kurt? Il est en bas. Il est où, Kurt? Il est là. Attends. J'y suis né? Vas-y, monte, que t'as mal, bien, toi. Mon fils. Oui, mais j'attends le médecin. Elle est là, le médecin, bah descend. Oui, bah c'est pour ça que j'étais avec elle. Ouais. Bobby. D'ailleurs, j'ai un peu mal oui, déjà. Ouais. T'as passé une bonne journée? Je suis tombé d'un rocher. Oui, ça va, le travail, quoi. Bah oui, mais c'était un rocher glissant, ma gamme. Salut la saucisse! Ethan, il devait me rappeler. Non, ça va, mais c'est plus toi qui. C'est dangereux quand même. T'as failli donner ta vie là? Il y en a encore un en haut là. Gekon en haut. Ah, derrière toi. Ça, mais c'est... Wow. Derrière toi. Il y en a un derrière toi là. Il paraît d'être mobile. Oh le cowboy. Moi j'aime pas trop cette randonnée. Elle est en train de partir en tuerie là. Non mais il va falloir qu'on bouge ici parce que. On va repartir en bas. Je suis en train de venir là. Il y a une meute en fait en haut. Juste par contre, venez tous ici s'il vous plaît. Merci mesdames. Quand il y a un puma, évitez de tous courir dessus. Parce que là ça aurait pu être une boucherie, genre les trois personnes qui étaient en train de taper, l'endroit a été blessé malheureusement. Et ça aurait pu être bien pire. Je peux vous parler s'il vous plaît? Incroyable. J'avoue. Donc faites très attention. Merci beaucoup. Hein. Oui. Ouais. Promis. Ouais, non mais ma... Ouais, voilà, j'ai eu le temps de courir. Et pas drôle cette rando, il y a tout le monde qui se fait bouffer. Mais non, ça va aller. Non, c'est exceptionnel et c'était bien, hein, t'inquiète pas, Bobby. Bonjour, t'es qui? Bonjour, Talia. Oh, t'es qui? Tu viens d'où? Le franc parler de. Réponds maintenant! C'est quoi ton prénom? Réponds! Ton prénom! Je m'appelle Talia, c'est mon prénom. Ouais, ouais, Talia, c'est mon prénom. Ah, c'est quoi Talia? Moi, Bobby! Attention la moto! Non, mais toi, faut te niquer! Non, mais toi! Toi, faut te niquer! C'est quoi ton problème? Tu te fous de ma gueule!
Mais c'est pas possible. Il y a un coup de taser là, cet enfoiré. On va redescendre sur son chili d'en bas. Le tyran comme ça. Ce sera moins craintif. Surtout qu'il fait commence à fermer. Il y a deux bécanes. Impeccable. C'est bon. Ça va, Ophélia? Ouais. Alison, tu peux descendre sur son chili d'en bas. Ça va bien de chourage. Merci. C'est très gentil. J'aime bien que t'as les cheveux courts. Ah d'accord, excuse-moi. Oui, j'ai... Ouais. Oui, moi je supervise ici. Tu me fais penser à mon papy. Okay, excuse-moi. Oui, bah... Non mais le monsieur, parce qu'on est venu... Par laisser les motos là, les gars, on n'est pas venu pour faire la moto. C'est un emprunt à long terme. C'est quoi, oh, les gars, on est pas venu pour faire de la moto. C'est un compliment parce que mon papy, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Plan de secours au cas où j'ai besoin de redescendre vite. J'en ai marre. Je sais pas comment je dois le prendre d'un côté, c'est gratifiant. Bon allez, on redescend. Mon papy, c'est le vieil. Allez, un petit peu de calme et de concentration. Allez, on descend. De toute manière, on se reverra. Mais promis. Bon, on laisse d'accord. La bécane. Hein. Bisous, Talia. Attends, je redescends la moto. Parce que... Elles ont pris tous les Talia. Quand la nuit elle commence à tomber, on va préparer les cabanes avant qu'il fasse. T'en as marre? Le village et... s'endort. Tu sais ce qu'on a où? Camper ici. Bah, c'est bien, on va pouvoir aller au concert dès soir plus tôt. À la limite, on n'a pas les cartes, mais si ça vous dit, on peut essayer de faire la moto là-bas. On fait quoi du coup là? On avance. On va descendre. On descend. Pourquoi on audition? Parce que c'est trop compliqué là. Ah, c'est dangereux, on se fait attaquer par des ours. Bah après que... Oui, bon après... C'est Varos. Deux fesses, Ophélia. C'est compliqué quand même. Et ouais, ça fait longtemps, ouais. Ouais, bon, attention, tu fais pas mal. Tu m'as dit, c'est quoi déjà toi ton prénom? Par contre, c'est ce qu'on oublie. Les lampes. Oui. C'est Noah, mais là j'en peux plus, là je suis fatigué là. Bah tu m'étonnes. En plus la trelle m'a téléphoné pour t'inquiète, me demander si on rentre, les avait. On va se faire manger en plus, toute la nuit on va se faire manger par des cougars. Hein. Doucement, non, attention. Non, on va pas te faire manger, okay. Moi je reste plutôt pas de toute façon. Bon, au pire après il y a les téléphones. Tu veux faire quoi, Bobby? Hein? Aïe. Tu veux faire quoi? On m'a demandé de venir, d'intervenir chez le barbecue des SOA. Wow. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah moi, oui, il va falloir que tu rentres. Et ouais, parce que moi je suis une VIP. Trop bien. Oui. Excuse-nous, hein. Bah ouais, soyez pas jaloux, hein. Mangez les morts, comme qu'ils disent. Ouais, wow. Super. D'accord. D'accord. Merci. Génial. C'est nickel. Non, mais c'est une blague. Merde, bah, j'ai envie de pleurer. Non, mais non, c'est pas une blague. Non, mais c'est pas grave. Mais non. Super pas. C'est méchant ce que tu dis. Tout va bien, tout va bien. Oh, ok, bah si tout va bien. Y'a une biche. Y'a une biche. Ah, tu me fais peur. Bah ouais, mais... Nul. Peut-être la voir de loin. Ah, non, non, mais... Mais ça va, oui, oh. C'est comme ça que la mère si de Bambi est morte. Tu tues des animaux ce soir? Non, mais... Non, je tue pas d'animaux, uniquement des panthères qui nous attaquent, c'est tout, promis. Ouais, et encore, hein. Je t'ai vu sourire quand tu le faisais, hein. Ah non. T'as pris un peu de plaisir quand même, on va pas se cacher, hein. Sadique, va. Non. Si. Non. 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 Si. Non. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas vrai. Ça dit qu'on aurait pris la viande, et on aurait fait et j'ai récupéré la viande, les gars. Ah là, on va pouvoir. Bah si, vous croyez quoi? Je suis chasseur ou je suis pas chasseur, les potes? Mais non. Et de la bonne barbaque, ça ferait un bon steak, en vrai. De fou, hein. Et toi, tu vas faire quoi, Kurt? Moi, je sais pas du tout, je vais voir. Kenyara et moi? Mais c'est quoi? C'est un barbecue? Ouais. Bah, si je peux, moi je viens. C'est une entrée VIP. Moi j'ai. Ah, bah alors je viens. Oui, au niveau du foyer, Bobby? Non. Hein? Non, c'est une soirée privée, mais c'est que pour les gens de la haute. Ah oui, d'accord. C'est pour les VIP qui tuent pas les animaux. Voilà, retourne chasser du gibier et voilà. Bah n'empêche que ça me fait un salaire. Bah moi je me fais un salaire et je tue pas des animaux pour ça, hein. Et moi je me fais pas de salaire et je tue pas des animaux pour ça. Toi tu fais toi tu fais acte de présence. Oh, il a tout compris, lui. Moi je suis bénévolat mais de la vie, quoi. Ah l'enfoiré. Ah j'adore, il a des punchlines quand tu le crie. J'ai réussi à avoir une peau de niveau 3, putain. Kev, tu m'as même pas dit quel âge? En fait, c'est moi j'ai 23 ans et toi? Ah ouais? Au niveau de la sensation. Bah quoi? J'aimerais bien chasser mon père. C'est vrai? Bah oui. En fonction de la... Moi aussi, bien, tout le temps.
On est les mêmes. Ouais, moi je vais avoir 23 ans en novembre. Moi j'ai 23 ans. C'est vrai? Mais non, je suis on a plus une initiation chasse. Wow. Ça fait quoi alors d'avoir 23 ans, du coup ça change quelque chose ou pas? J'ai l'impression d'avoir un an de plus. En fait, depuis que j'ai eu, j'ai eu des nouvelles sensations, j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs. Ah ouais? Ah ouais, ouais tu c'est quoi comme super pouvoir toi? Moi j'ai pu commencer Maman, Seigneur, baisse ça! À grimper des montagnes à Manu. Waouh! Ah ouais! Regarde comme ça. Vas-y, ouais. Ok. Vas-y, ok, ouais. Vas-y. Waouh! Ah, presque! Ah non, pas, ouais. T'as un peu fait mal, ouais. Hein, non? Ça va, cœur? Ah, ouais, bah. Bah, c'est des cailloux, ouais. Bah, oui, c'est des cailloux. Ah, il a rejoint la nature. Qu'est-ce que tu fais? Il communique avec la nature, il devient la nature. Putain, tu t'entendrais bien avec les hippies, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Gaïa est ton ami. Un peu d'herbe. Il voulait montrer comment. Bon, allez, arrête de parler à Gaïa et viens avec nous. Faut pas monter les montagnes, faut commencer par les cailloux. T'étais presque, hein. Là que t'arrives à monter des cailloux. Je t'ai vu, t'as monté. Allez, mais tu montes les montagnes russes, pourquoi pas? 50. T'as vu? Ouais. Tu 50 quoi? 100 centimètres. Un micromètre. Bon, 100 centimètres quand même, t'as tendu la main. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Merci, Bobby. De rien. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Oui, mais nous on connaît bien la science, lui. Ben ouais. Moi je suis hyper pointu. On commence pas à mater mes fesses. Ouah, aïe. On arrive au train du seigneur là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal aux yeux. Belle fesse. Et alors? Bah en tout cas la redonnée c'était super quoi. Non. Ah, nul. Nul. C'était nul. Arnaque. Nul. Viens, monte. J'ai gratté une tenue gratuite, c'est super. Ah bah oui, non, bah. Non, on reste dormir ici. Ouais, génial. Bah. Moi j'ai rendez-vous. Hein. Ouais, ceux qui doivent rentrer, ils rentrent. Je viendrai. Je vais prendre une moto pour rentrer. Ouais. Ah, si vous voulez y aller, oui, y a pas de soucis. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin avant que j'y aille ou... Ah, moi j'aime bien une moto. Casé, je crois. Qui veut aller au barbecue des SOA? Moi. Encore vous? Oui, j'ai communiqué avec la montagne, elle m'a mis une gifle. Comme mais vous faites vraiment pas d'efforts. Ceux qui veulent dormir ici, vous me voulez. Attends, Vincent, je vais monter avec toi. Ceux qui veulent aller au barbecue SOA, c'est devant le 12. Très bien. Il y a deux places avec Ross et deux places avec Leroy si vous voulez. Et trois places avec moi. Et trois places avec Leroy. Hein. De toute façon, moi demain j'ai un entretien donc je pense pas dormir ici moi. Oh bah, je vais devoir y aller. Et bah, je pense qu'en vrai, il y a personne qui va rester dormir. Je pense qu'il y a personne qui reste. Bah, écoutez, je pense que vu ce qui s'est passé, j'avais pas envie de rester dormir. Et bah, avec vous. En vrai, par contre, la rando était marrante. On s'est bien marré au moins, c'est le principal. Ça vous a plu au moins, oui. Moi, j'ai trouvé ça bien, c'était bien. Mais vous inquiétez pas, les marmots, on va refaire. Merci. Ouais. Super. Ok, et bah, tous direction le Loose, comme ça vous allez au barbecue, c'est bon? Très bien, très bien. Allez, go. Casé. Casé. Je t'ai mis un pouce pour garder ma voiture aussi. Casé, pourquoi tu pleures? Je voulais faire des cabanes, moi. T'es garé tout en haut, toi, non, madame? Ah bah moi, je me suis garé très loin, oui, je suis venu jusqu'à pied. Hein. Moi, une randonnée, j'emmène pas ma super sportive dans ces chemins-là. Bah, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah. Moi, je sais pas, je suis venu voir pourquoi. C'était une hippie, elle l'a clairement, tiré de la main. Tu sais quand même que je fais partie du SSP, hein. Et il m'a donné son sac. Bah ouais, il te l'a donné, hein. Il m'a donné son sac. Tu te fous de ma gueule. Il s'est barré en courant, il a appelé la centrale, ils ont envie de m'arracher mon sac, là. Ah mais non, mais... Alors là, ça c'est un coup monté, je reconnais. Je reconnais, c'est un coup monté. Il a la du coup, vous allez chanter au concert, c'est ça? Oui. Et vous chantez quel type de musique? Dans quel style? De l'indie folk, du pop folk, du pop rock, du pop funk. La pop, j'aime bien. Pop funk. Et des chansons irlandaises. Ok. Un peu de tout, sauf du rap. Moi, j'aime beaucoup la pop. C'est vrai? Oui. Bah, j'essaierai d'en faire une pour vous si vous voulez. Tu t'engages dans tellement de musique. Oui. Mais t'aimes bien.
Et du coup, soit ton nom c'est Ophélia, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Enchanté, moi c'est Bobby. Enchanté. Du coup, je fais partie du foyer en tant que bénévole et je suis également la directrice de l'hôpital, si jamais. Bénévole, ah d'accord. Wow. Bénévole, oui. Waouh. Eh ben, je suis contente de te connaître. Enchanté. T'es mariée? Non. T'as des enfants? Non. Faut t'en veux? Non. Je sais pas. Peut-être un jour là. Bah après, ça te demande beaucoup de travail, hein. C'est ça. Oui. Je suis mariée à mon travail. Bah. Bisous, oh, là-bas, Ophélia. Au revoir, au revoir. Au revoir, là, tout de suite. Elle a une voiture, waouh. Ah ouais, ça vit, hein. Ça vit bien, hein. Voilà, tout ça pour ça, quoi. Moi qui pensais qu'on allait faire de la randonnée, des cabanes, au final, on a fait un stage chasse et pêche, je sais pas. J'avoue, c'était un peu craignose. Oui. Toi, ça t'a saoulé, j'ai l'impression. Moi, pas qu'un peu. Non, Ross. Hein? T'as... Pourquoi je suis Ross Ross? Non, ça y est. Moi, j'ai bien une. Tiens. Oh. Merci. Ah. Et après, il va se plaindre d'avoir mal au ventre. Pardon. Mais ouais, mais il est bon. Donc, il est bon. Après, les bruits de bouche. Mais vous pouvez profiter comme ça. Et la moitié qui est partie. J'ai mis de la carotte sur le pain. Attends, je nettoie. Allez-y. Et tu chantes toi, Kurt, ou pas? Oui. C'est vrai? Tu fois, chantes quoi? Oui, mais c'est rien de sérieux, moi, si c'est de l'impro, quoi, c'est sur le moment, des fois. Bah, tant mieux, j'ai pas besoin que ça soit toujours sérieux, hein. Oui, mais j'aime bien, je trouve que la chanson, c'est important pour exprimer les émotions. Tu peux nous faire une impro sur la rando? Voilà, c'est la fin, parce qu'elle était pourrie. Voilà, il a tout baissé. C'est pas grave, je ferai plus tard. Non, mais non. Désolé, je voulais pas te couper. Il a défoncé. Vas-y, 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 maintenant, c'est à toi, c'est à toi. Ok, donc sur... Merde. Bah oui, bon, par contre, là, je suis en train de mettre l'essence. Attends, faut que tu descends. C'est bon? Alors, écoute, hein. Ah oui, du coup, j'ai fait sur quoi? Sur ben, la rando que t'as aimé. Enfin, ton j'ai... impression, surtout, sur la rando. Que j'ai aimé, que j'ai mon aimé. Micro, il mange. Non, mais ton impression, si t'as pas aimé, t'as pas aimé, hein. Moi, j'ai pas aimé, hein. Enfin, si, un peu, okay. Quand même. Un peu? Un peu. J'ai aimé la participation. Anna, tu veux un rythme, vous voulez un rythme mélodieux ou... Comme tu veux, c'est toi qui fais. Oh, petite randonnée. On est parti, parti se promener. La moitié du temps, on a tué des jaguars. Dans le noir, j'ai perdu tout mon espoir. Bobby, elle était habillée tout en rose. Bobby, elle était super jolie. Monsieur le Rolls-Royce, il était très énervé. On lui parlait, il avait envie de tout casser. On nous a promis des choses, et rien n'a été tenu. On nous a tenus. On m'a donné une tenue, je vais jamais la rendre. Wouh!
trop fort. C'est pas bon. Ouais. C'est pas fait pour fumer. Trop bien. Non mais, bravo, hein. Non mais j'adore, t'as de l'imagination quand même, faut le faire, c'est pas tout le monde. Hein. Ouais mais j'ai pas une belle voix. Mais arrête de dire t'as pas une belle voix, t'as une belle voix. Mais moi non. Faut jamais me changer pour le concert. Vous m'attendez? Oui. Ok, c'est un braquage de banque. Oh super. Hein. Oh ça serait incroyable. Alors. Elle est où, ma tenue ? Quotidien 4. C'est pas ma préférée, hein. Ah, ma tête. Voilà, voilà. T'es bon ! T'es insupportable, Kurt. Coloré, hein. Monsieur Indiana Jones, vous pouvez c'est venir ? C'est un peu comme ton sweat. Venez, venez. Indiana Jones. Ton sweat. Merci. T'as la chance, moi j'aimerais bien avoir un sweat comme ça. Je l'ai dans toutes les couleurs, cette veste. T'es vrai? Ouais. Waouh. T'as de la chance. T'es où le barbecue? Je pense que c'est juste en face. Allez, on y va. A tout à l'heure, David. Oh, mais moi, je suis invité par la patronne du... Mais t'as pas un rendez-vous professionnel, t'avais dit? Si, mais bah, elle est là-bas. Ah bah voilà. Bah alors, tout de suite. À tout de suite. Waouh, c'est là? Ouais. Un monsieur, il fait la sieste par terre. Ah ouais, je crois qu'il n'y a pas de maison, lui aussi, le pauvre. Ah, c'est une dame. La pauvre dame. Ah, bonne sieste, madame. Bonsoir. Oh non, pas elle. Ça va? Bonsoir, bonsoir, ça va et vous? Oui. Il y a Stet, il m'a dit oh, vas-y, on va me chercher. De venir parce que vous voulez chanter. Le milieu, bonsoir, voilà. Bonsoir. Bah, tu pourras aller sur la scène derrière toi et tu pourras chanter si tu veux. D'accord. Tu le sens. Bah oui, mais je m'en fous, hein, vous me demandez de faire. Hein. C'est trop bien. T'as vu, ils ont tout fait. C'est super beau, j'adore. Hein. T'as vu, c'est tout beau. Hein. Ben, waouh, il y a le bar et tout. Il y a plein de choses. Ça, la scène elle est cool par contre. Ils ont géré. Ah ouais, ils ont mis les platines et tout. Pour le DJ. Oh, il y a les motos. Oh, c'est un petit interview au public. Ah oui, oh, oui, ok, je viens de comprendre. Oui, c'est une folie. Il y a une. Ouais. Une heure, ça commence, c'est ça. Exactement. Là-bas, bon, faut ça... pas y aller, c'est bon, pas ça. Pour bon, nous. Ah bah oui, hein. J'ai ouais. Vu. Hein. C'est écrit interdit au public. Bah dis donc, rien nous est interdit, hein, tu sais. Hein. Bah, je sais pas. Allez, on y va. Hein? Mais il est fou, hein. Il est complètement fou, lui. Hein. Il va se faire taper dessus. Est-ce qu'on t'a bien couru après, hein? Bah parce qu'il doit y avoir toutes les boissons et tout, donc il faut pas... Bah oui, hein. Pour éviter de voler. Les saucisses, hein, du barbecue, hein. Mmh. Fais-y avec moi. Pour moi, l'avantage, c'est que si tu as besoin d'aller faire pipi, il y a des toilettes là-bas. Où? La petite cabane là-bas. Attends, on va voir. Ouais. Oh, joyeux ouais. Anniversaire, Pops! Happy birthday to you, Pops! Happy birthday to you, Pops! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Pops! Joyeux anniversaire, Joujou! Ah, ils sont fermés. C'est pipi! Ouais. Une heure et demie peut-être. Ok, ça marche, je note. Une heure et demie. Ok. Et tes toilettes, elles sont fermées. Bah dis donc, quand. Ouais, si tu veux faire pipi, à quoi ça sert alors hein. Je sais pas. Bah, à quoi ça sert alors hein, à décorer hein. Bah sûrement. Oh là 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 là. J'ai pas envie. C'est plaisir. Oh. Ouais, m'asseoir. Si tu vas aller faire pipi, les toilettes, elles sont fermées. Bah je vais y aller du coup.
Bah non, tu peux pas. Bah merci beaucoup en tout cas. Bah attention, vous êtes là. T'es fermé. Mais oui. Bah préviens quoi, au bout d'un moment, je sais pas, on voit un texto. Tu m'as pas entendu, je suis désolé, je t'ai dit elles sont fermées. Ah ouais, mais parle plus fort quoi, à un moment donné. D'accord, promis, je te crierai maintenant à partir de maintenant. Voilà, ouais, bugle-moi dessus. Mais non, je parlerai comme ça tout le temps, ça te va. Ouais, ouais, nickel, nickel. D'accord. Tu veux, on va aller boire des verres. Ouais, allons-y, allons-y. Allez, viens. On va boire arracher les joies. Bah, franchement, ça va. Hein. Bonsoir. Bonsoir, vous c'est vous le patron du Bahamas Mas. Oui, oui c'est ça. Belle. Oh, il merci. Va bien votre employé qui s'est fait kidnapper? Ouais, ça va. Oui, il est oui, pas trop choqué? Non, ça va, heureusement. Vous avez vu, je vous avais mis l'article. Oui, j'ai vu, je l'ai acheté. Ah, super. Ben, vous n'hésitez pas, si vous voulez, des fois, je viens faire des articles pour vous. Vous m'avez appelé, hein. Ben, je peux prendre votre numéro? Oui, c'est le 2538. Et votre nom, c'est quoi? Bobby Tripotin. Ok, j'ai juste marqué Bobby. Et je vous envoie un message au moins, vous avez le nom. Ah oui, je veux bien. Je peux prendre une photo de vous, s'il vous plaît, pour mettre dans mes contacts? Oui, si vous voulez. Merci. Parfait. Je te remercie. C'est très gentil, madame. Je vais... Ah, Summer, tu t'appelles? Oui. Waouh! Ah, c'est beau! Ouais, merci beaucoup. C'est l'été, c'est beau, Summer! Oui, c'est ça. Bah... Tu veux boire un truc d'ailleurs? Oui, je veux bien, mais un truc sans alcool, s'il te plaît. Parce que je bois pas l'alcool. Un cocktail sans alcool? Oui. Vas-y. Merci. Et ça fait longtemps que tu travailles dans le Bahamas? Ça fait 3 mois, oh à peu près. Ah ouais, ça fait longtemps. Bonsoir. Ouais. Ben, disons. Et ça va, il y a du monde qui vient au Bahamas? Ouais, franchement, ça va, ça se passe bien. Hein. Tu me dis, si t'as besoin, je fais la pub. Hein. Et ouais, bah, quand je ferai un prochain événement, à la limite, je te dirai. D'accord. Moi, on pourra faire ça, ouais. Je te dois quelque chose? Non, c'est bon, t'inquiète. Merci, t'es gentil, merci, Summer. À plus tard. J'ai pris une douche à grand-mère. Il y a le bar qui est ouvert si tu veux. Ok. C'est payant? Non. Enfin, moi, elle m'a pas fait payer en tout cas. Oh, on va voir si c'est pour moi c'est payant. Mais c'est Bobby ça. Regarde devant, c'est Bobby. Ah, je te dis que c'est Bobby. Ah, 100% c'est Bobby. Mais non, Bobby, il est plus là. Ça va, Bobby, tu vas bien? Coucou! T'es qui? T'es toi? Ça va? Ça va et toi? Oh, t'as ton gilet de rookie! Mais. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je m'appelle Bobby Tripotin. Ok, bah enchanté, Bobby. Oui. Elle veut être enquêtrice. Oui. Ouais. Moi je vais faire la police. Panique pas. En fait j'ai envie de faire la PA quand ça sera de nouveau ouvert, parce que bientôt. Moi mon rêve dans la vie c'est d'être enquêtrice pour aider les familles qui ont perdu des défunts et trouver les gens qui ont fait du mal et pour voir les meurtres derrière les barreaux et surtout enquêter sur les meurtres parce que les corps quand ils sont morts ils racontent tout plein de choses mais on s'en rend pas forcément compte. Oh, si, vous savez, je m'en rends bien compte. C'est noble, hein. C'est noble. Oui, bah, heureusement que je m'en rends compte. Oh. Ouais. Bah, après, chef de la police scientifique, c'est mieux que je m'en rends compte. Je reviens, c'est un peu important. Ça marche. Tu vas travailler à la scientifique, toi? Moi aussi, j'aimerais bien travailler à la scientifique, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est bien, ça. Mais plus axé sur la drogue, en vrai. La drogue, ouais. 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 Mais la scientifique, ça fait pas que la drogue, je crois, non? Non, ça fait tout, ça fait tout. Ça fait la poudre aussi. Et les cheveux. Ouais.
toutes les choses qui peuvent ramener vers... T'es bien, ça aussi. Mais par contre, des fois, tu vas récolter des substances un peu dégueu. Ça va, tranquille. Pas le choix, hein, pas le choix. Tu sais que quand un corps, il est mort, il se vide de tous ses sphincters. Putain, ouais, il fait caca, non il fait chez caca, toi, il fait pipi, tous les trous, ça sort de tout, partout. Oula, attends, je crois qu'il y a une urgence, Bobby, je dois en clisser. Vas-y. Je reviens. À plus tard. Viens, zéro vite. À plus tard, Bobby, je dois aller justement voir un cadavre. Bah, oh, la chance. Bah, je sais pas, c'est pas mon nuque organisé, donc. Et voilà pour vous. Bah ouais. Nickel, merci. Un soft, c'est mère, un soft. Ah, je pensais que oui. C'est vrai. Salut Bobby. Ouais, salut Sam. Salut Elian. Ça va, Elian? Elian, tu peux te faire une photo pour mon agenda de téléphone? Juste ton visage. Comme ça, je t'enregistre déjà avec ta tête. Sinon, je te fais qu'au sommet. Attends. T'es belle. Gentil, merci. Bah, attends. Oh, tu te prends pas mal là. Après, ne bouge pas, Eliane. Merci, Eliane. De rien. Qu'est-ce que tu racontes quoi de non, attends, Eliane, bouge pas, on refait la pause. Ah, pardon. Ouais, non, c'est un truc qu'on peut faire, Eliane, pas des bâtards. Elle est jolie, hein. Oui. C'est Félix. Pourquoi tu zoomes sur ses seins? Ça va, espèce de gros manque. Alors, vraiment pas, hein. Si, c'est vrai, je te jure. Tu zoomes sur ses seins, gros, dégueulasse, va. Les lumières, c'est très joli, les guirlandes, toutes les couleurs, là, c'est magnifique. T'inquiète, bon, je vais en empêcher. Gros dégueulasse, toi. Ok, merci, Bobby. Je même pas, en plus, je même pas de ce bord-là. Calmez-vous, par pitié, je déteste ça, en plus. Non, calme-toi. Assume. Non, c'est... ça me fait pas rire. Ça me fait vraiment pas rire. T'es désolé, après, j'ai vu ce que j'ai vu, hein. Oui. Comment toi, t'es pas de ce bord-là, t'aimes les garçons? Non, je pense que c'est pas de ça qu'il voulait dire en disant qu'il était pas de ce bord. C'est que ça, c'est un voyeur comme ça, quoi. Ah oui. Ben, je pense. Bah après, je pouvais peut-être tromper, hein. Ça, c'est meilleur. Ouais, ça va, toi? Ouais, ça va. Bobby, tu bois un truc? J'ai déjà eu à boire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Kurt, tu bois un truc? Salut, Bobby. Oui, je veux bien. Tu veux quoi? Excuse-moi, Samuel, oui, je voulais pas te vexer. Bonsoir, madame. C'est pas grave. Je suis désolée. C'était pour faire une blague. Y'a pas de problème. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Oui, mais la pauvre, ça l'a gêné elle et c'est pas. Mais maison de. Ouais. Putain, par loin. Réglez-vous comme des hommes. Ah, moi, ah, mais tu veux pas perdre mon temps à frapper, moi je m'en bats les couilles de vos histoires, vous êtes trop du cul. En fait, il zoomait pas sur tes seins, c'est juste qu'il faisait la mise au point. Et la prochaine fois vous venez me soucier la bite, donc t'inquiète pas. Attends, il y a un problème, je crois. Ah, c'est comme ça. Si c'est comme ça, tu vas faire quoi? Bah là, rien, hein. Et bah voilà, il va ferme ta gueule, il va à la soirée. Rocha, il y a le gars quartier juste au-dessus, bah fais pas. La foutre. Vas-y, ferme ma gueule, vas-y, ferme ma gueule. Tequila, s'il vous plaît. J'ai sorti une arme. J'en veux 10. À gauche là-bas? Oui, là-bas, au fond. Ah, sauf c'est payant? Quoi? Ça a sorti une arme. Oh non. T'es mort. On va mourir? Ah, bah, je sais pas, mais tu sais comment ils sont, ça s'énerve vite. Miette. Vous pouvez pas m'offrir. Ben, c'est qui? J'ai trouvé la bouteille. Non, faut faire attention. Je peux avoir mon cocktail ou s'il vous plaît? Et te l'a pas donné? Ah, qui a le cocktail de quoi? Et te l'a pas donné? Ah non, c'est bon. Ah! J'avais pas vu. Ouais, t'es fatigué. T'as quelqu'un sur toi ou quoi? Ouais, t'inquiète. Je sais pas. Il s'est commencé à quelle heure? Je sais pas. Bah, c'était censé commencer à une heure. T'as pas trop le track, Bobby? Moi, j'ai jamais le track. Pour ça. T'inquiète, c'est normal. En fait, pour ça, j'ai pas le track. C'est après, c'est quand il faut parler avec trop de gens. Ça, j'aime pas. Et ben, je fais le discours. Ben, si après, tu veux, toi, discours sur quoi? Ben, je vais dire bonjour. Je m'appelle Bobby. Veuillez. Bah, non, tu t'appelles pas Bobby. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je fais pourquoi? Non, mais tu t'appelles pas Bobby. Tu dis bonjour, je vais vous présenter Bobby. Et puis voilà, si tu veux. Oui, voilà. Après, tu peux faire des blagues aussi, les gens ils aiment bien. Mais tu es pas un clown. Non, mais tu peux faire un one-man show.
Mais je suis pas drôle, moi. Tu fais des blagues sur les bikers, ça va leur plaire. Sur... Bah si ouais, tu fais des bonnes blagues de drôles de bikers, tu peux. Pas des blagues contre eux, hein, parce que sinon... Bah oui. Ça peut vexer. Tu vois, genre, c'est quoi la différence entre une pétrolette et une moto? Ça va, mon fils, ça. Surtout qu'il y a deux gameplays différents. Ah bah ça va, bah, tu t'es bien à l'aise. Ça va, ça va. C'est quoi déjà? Les Motor Club. Il y a les SOA et il y a les Los Vatos qui sont passés l'année dernière. Ah ouais. Et c'est quoi, c'est pas bien? J'ai le droit de fumer une cigarette. Bah, c'est surtout que. En général, ils aiment pas trop qu'on se moque d'eux. Ah oui, non, mais personne, ils aiment qu'on se moque de toute façon. Si tu réfléchis, personne, il aime. C'est pas faux. Tiens, merci. Bah oui. Donc. Non mais j'en ai déjà une, Summer 2, ça fait trop. J'ai commencé à mettre plein de photos sur les gens. Enfin, sur mon téléphone. Enfin, sur mon co-contact. Est-ce que tu les préviens que je les prends en photo ou est-ce que du coup tu les fais à l'insu? Non, je leur demande. Y'a que toi, je t'ai pris à tout en insu. Mais c'est pas méchant, c'est parce que je n'osais pas. Je voulais pas être mal poli. Salut, Charles. Ça va? Je vais au foyer, quoi. Y'a du monde, non? Ouais, y'a du monde, mais en fait, j'avais l'impression que c'est chacun dans son coin. Bah, c'est le problème des grands espaces. Ouais. Et s'ils ont pas prévu autre chose pour que les gens y parlent ensemble, ça arrivera pas. Oh, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai envie de m'asseoir. On s'assoit? On s'assoit par terre ou pas? Mais par contre, vous, je sais pas votre nom, ça va mieux. Tu préfères ne pas salir ta robe et qu'on s'assoit sur une table? Ouais, sur une table. On va là. C'est quoi votre nom, White? Moi, c'est Wyatt. C'est pas sympa, ça? J'analyse tout le monde, moi. Oui, eh ben, sache qu'en laissant traîner tes oreilles, tu vas entendre beaucoup de choses. Oui, mais là, j'ai un peu la flemme parce que je suis fatiguée. Oui. Pas arrêter. Par exemple, le président des SOA. Oui. Il est arrivé avec une roue crevée. J'ai dit, est-ce que tu veux que je te mette une. T'as dit quoi? Il est arrivé avec sa moto, il avait une roue crevée. Ah. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je m'occupe de ta roue? Je mets une rustine, une roue moitié crevée en attendant que tu puisses aller au mécano. Il m'a dit, oui, je veux bien, s'il te plaît. Du coup, il discute un peu, il me donne 500 balles pour la réparation, il me dit, j'irai chercher un menu gratuit. Et pendant que j'étais en train de réparer du coup sa moto. J'entends que dans le hangar 2 là qu'il y a devant nous, il dit pendant que les gens vont faire la fête, nous on va produire ici. À produire quoi? Mes instincts de SSP, sachant qu'ils sont un peu dans la drogue, je me dis est-ce qu'ils vont pas chercher à produire la drogue? Donc, du coup, j'ai prévenu deux de mes collègues, là de ouais, qui devraient pas tarder à arriver, qui vont se faire passer pour des simples civils, écoute un peu. D'accord, bah, c'est malin. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit, Kurt? Ah bah lui, on voit ça. Ah, il m'envoie un message vocal. Attends. Ouais. Oh. Ah non, il dort là, que moi. Bah, pas on entend pas. Attends, ça marche pas. Téléphone, il déconne un peu, non? Hein? Je sais pas. Pourquoi? Sur quoi il déconne? Bah je sais pas, j'entends pas le vocal. Vas-y, amuse-toi bien. Ça va, ça va. Je sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu un message. Disons que la seule personne qui m'en faisait... C'est qui? T'as pas fini ta phrase? T'es ma femme. Oh, t'es mignon. Du coup, tu les as encore? Je dois encore en avoir. C'est vrai? C'est beau. J'ai encore ces messages. Oh. C'est triste aussi un peu, mais c'est beau. Hein. Elle est toujours dans mon répertoire. C'est beau. Et si les vocales marchent? Mais non, ça marche pas. J'entends pas. Sinon, c'est lui qui a pas bien enregistré. Après, c'est possible aussi. Oui, attends. Tu peux m'envoyer un vocal juste pour voir si ça marche, toi? Ouais. Et salut Bobby.
pas sympa ça. Ah mais non, je sais, je suis con. C'est ce que j'ai été... Putain, j'ai laissé baisser le volume. Bête que je suis. Attends. Non mais le sien il marche pas par contre. Non mais j'entends rien. Je te jure, j'entends rien. Bah peut-être qu'il a allumé le micro de son... Mais non mais toi aussi j'entends pas. Le tien non plus j'entends pas du coup. Crois c'est moi. J'ai ma réponse ici, c'est l'alcool c'est payant, l'autre côté c'est devenu gratuit. Voilà. J'ai mon menu du coup. Non pas forcément je pense. Après s'il te faut du cash, bah tu vas vite à la TMAT. Hein. C'est un peu stress. Attends, je vais dire bonsoir au flic. Bye. Moi je... bah c'est gratuit, faut en profiter. Ou pas du... Alors coucou. Non, moi j'ai servi le pays et j'ai... Hello, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. T'as vu la photo que je t'ai envoyée hein? Enfin que j'ai envoyé dans le groupe de mes sœurs. Laquelle? Ah si, oui, Prince Philippe. Prince Philippe. J'ai 12 dollars sur moi si tu veux. Oh merci infiniment, il doit me manquer à peu près 20 ou 25 000 dollars pour mon traitement, je... Merci beaucoup. Ouais. Il veut pas se battre l'autre. Au revoir la meuf. Bonjour monsieur. Tu veux du chante? Tiens. Non, on veut pas que tu chantes, veut que tu fasses okay. Ta gueule. Ah, quoi, mais comment mais... m'a invité pour que je vienne chanter en fait. Ah oui, tu chanteras après d'abord la rookie. Merci infiniment. Bien chaud, dis-lui sa grand-mère. Au revoir, merci monsieur. Au revoir, oh, si mais... on se les voir d'un coup. Oh, merci tous. Monsieur que vous suivez. Oh, oui, merci beaucoup. Tous. Ah, elle. Bah, si. Et tiens, elle, assis là, Rokina. Je vous le rends là. Dehors. Non, mais il y a eu des règles d'établir avec votre président, on va pas faire comme ça. Oui, oui. Encore. Allez. Voilà, encore. Allez, bonsoir. Ouais, Marouki, va se battre avec une femme, je vais convaincre. On n'a pas de femme prospect. Non, mais chauffe, arrête. Va se battre avec Fess. Faut pas te taper. C'est bon. Dis quand que tu chantes, Bobby. Je sais pas. Mais déjà, la soirée, elle est pas ouf. Ah ouais, vas-y, fais-lui bah le... Oui. Mais t'entends pas mes vocaux? Mais non, j'entends pas, je sais pas ce qui se passe. Bah moi, j'entends... Attends, tu sais quoi, je vais poser mon téléphone. Et je vais te refaire le portrait, je vais passer derrière le bar, espèce de... Attends, j'ai fait un test avec mon papa et ça marche. Vas-y, mon grand, voilà, c'est bien. Putain. Mais oui, mais non, attends, tiens, je te donne mon téléphone. À ce moment-là, il faut se calmer, d'accord? Attirant mon téléphone. Coup du Jaguar. Mais arrête de te croiser. Comment? Et toi, chante là. Faire la bagarre, le coup. Ah, faut jamais chanter. Ouais, va chanter. T'es sûr? Oui, je vais chanter. Une patate no fun. No fun. Faut que je monte. Attends, elle est où ma meuf? Je vais casser des balles bientôt, messieurs dames. Il devrait arriver d'ici 5 minutes. Fait mal aux yeux, hein, votre lumière. On va pas se mentir. Hein. Ferme-les, tes yeux, non. Hein? Ferme tes yeux, ça t'a mal. Assume, oui. T'inquiète, oui. Attends, j'ai une bagarre. Mais ça, il m'avait dit, il me payait, hein. Bon, vas-y, au pire, Hector. Écoute, à la PA, on nous a dit. Attends, mais c'est naturel, hein. C'est comme ça, tu sais. Ah, j'ai mal au crâne. Je vous avoue, j'ai trop mal au crâne. La bagarre. Et où la bagarre? C'est la crise de mes couilles, mon copain. Attendez. Juste après la musique. Quoi, j'ai absolument rien. Mais j'sais ah pas, j'ai la mon téléphone qui chauffe là, ça arrête pas de faire bip bip bip. Ouais, c'est donc ça. Ouais. J'ai eu 3 matchs là qui se battent en duel. Ah, mais. Moi, j'ai même de la merde en fait. Là, la tête des meufs qui m'ont match, hein, je t'avoue. C'est évident. Hein. Ah ouais, fais voir. J'essaie, hein, je suis désolée, mais j'ai tellement mal au crâne que c'est dur là. Pour moi. J'essaie de réécouter un truc que j'ai enregistré tout à l'heure parce que. Ah ouais. T'as vu ou pas? Quoi? Comment? Elle a l'air gentille. Ce que tu as vu. Quoi? Ce que je te disais pour tes... C'est ah non, j'ai pas vu. Attends, je regarde.
Attention, mon fils. Les colorés, quoi. Enfin... Et l'autre, c'est. Ça ah va. Attends, je regarde. Non, ça va pas, en fait. Non, ça va pas. C'est le swap process. Mais fuck. Bobby. Oui. 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 Je voulais te dire. Je voulais te dire que je te trouve trop belle. T'es mais vrai? Il y a que des gros tétés. Mais oui. Moi, t'es gentil, Marty. Moi, tu te trouves belle. Par contre, attention, tu vas attraper froid. Non, t'inquiète, ça va. T'es sûr? Oui, j'ai mes cheveux qui coupent quand même. D'accord. Faut que j'aille chanter là, il veut que je chante, mais j'attends, il y a plus de monde. Mais non. Bah, vas-y. Bah, je suis en train de chercher ma musique. Tu reviens, à tout à l'heure. Ok, c'est pas mal. En fait, il m'a dit que c'est le swap process qu'il faut que je monte, mais le swap process, je sais pas où le monter, moi. Comment je fais pour le rajouter? Swap process, il est où? Link. Ah. Ah, d'accord, il est là. Ok. Alors attendez, parce qu'il faut que je le mette sur musique. Il est sur musique, le swap process. Le problème, c'est que j'ai la musique sur musique. Et ouais, là, ça marche. D'accord, ok. Vous l'entendez pas parce que je vous ai cut la musique. Je suis désolée. Alors, attends, en clair. Je sais pas, fais-moi un verre. Ouais, là, j'entends. Bonsoir, bonsoir, vous êtes occupé, ma petite dame? Non, 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 dites-moi. Ouais, voilà. Y a le charouse qui me dit que vous êtes occupant carrément. Là, je lui dis, bah écoute, parle-moi de tes. De je sais pas quoi là. Jure, il est là, le beau gosse. Ah, ça va et toi, mon champion? Ça va et toi? Oui, ça va. J'ai pas tout compris. De la société, là, je sais pas quoi vous avez là, je sais pas quoi là. L'association de foyer d'association, ouais, association, ah, je sais pas quoi là. Bah, c'est trop bien. En clair, moi je savais pas où dormir, je venais juste d'arriver et d'un coup ils m'ont dit, bah, le monsieur le maire il m'a dit, moi je connais quelqu'un, il a un endroit, c'est comme un foyer avec des chambres et je trouve ça trop bien parce que du coup tu fais plein de rencontres, il t'aide à passer le permis, tu payes pas. Et en plus de ça, il t'aide à trouver un emploi, il t'aide à démarrer dans la vie. Ah bah Gadzi, c'est bien ça, putain, c'est charouse, tu fais des trucs comme ça toi Gadzi, là, avec ta gueule de mort là. Bah il m'a tellement beaucoup aidé qu'il m'a aidé à me payer ma pétrolette. Ah d'accord, 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 d'accord là. Ma pétrolette. C'est quoi Gadzi là, c'est quoi ça là, c'est quoi ça là? C'est une petite mobilette. Ah ouais? Elle est où? Elle est là-haut, elle est au Louse. C'est le bâtiment là. Promis, okay. Ah, c'est juste à côté. Oui, c'est ouais. Là-haut. C'est... Tu vois le grand bâtiment avec le feu sur le toit là? Le feu sur le toit. Oui, oui, bah, ah là. Oui, ouais. Bah, c'était là. Ok. Ouais, parce qu'il y a un rooftop aussi. Ok, bah écoute, moi je me présente carrément l'os. Là, je suis un collègue de Charos Guilles, Baisemort là, ok? Oui. Je suis au CSP aussi, moi là, carrément là. Toi aussi, t'es un Marazel? Non, je peux pas raser. Alors, attends, elle parle bien avec ta bouche de mort, toi, je te le dis net. Bah moi, je peux pas raser. Elle connaît pas, elle connaît pas. Tu comprends le zilo, quoi. Moi, je suis un Wilstein, tu comprends le zilo, quoi. Là. Moi, je suis un Wilstein, mais mort. Je suis un Wilstein, mais tu comprends quoi. Oui. Ok. Elle connaît pas. Ok, bah désolé, ma petite dame. Moi, je suis un Wilstein, sache le zilo, ok. Ça, j'ai pas tout compris, mais d'accord. En gros, j'ai ma communauté manouche. C'est mon cas. Je sais pas, tu vois où est le diner là, côté du dinosaure. Oui, là, il y a le dinosaure. Exactement, derrière, il y a un coin de manouche là. Le camp épique où je t'ai amené hier. Oui. Quand de quoi? Quand de quoi? Hippie. Quand de quoi chez Charou? Attends, je comprends pas là, j'ai pas les oreilles tendues là. Ah, merci. Super. C'est là où il y a les caravanes de toutes les couleurs. Exactement, ma couille. C'est là-bas que j'habite, bon, moi, carrément là. Avec les hippies? Avec les hippies, mais ils habitent chez moi, eux. Parce que de base, c'est chez moi là-bas. Bon. C'est tenu par ma communauté là. Et ils ont les amis chez nous. Ah. Eh ouais. Et c'est comment ton joli nom du coup, toi? C'est moi, Bobby, c'est ça? Bobby, ouais. Bobby, bon, je t'entends, Bobby Xé, là, t'as quel âge, toi, Lawson, j'ai 22 et je vais sur mes 23. Ah, bah ça va, nickel. Et toi, tu veux rejoindre le SASB? Oui. Au bah, nord ou au sud, du coup? Bah, la sud, mais parce que le nord, j'étais trop mal accueilli. Ah ouais? Oui. Ils sont de toute façon, du moment où tu trouves ton bonheur et ta voix m'est morte, c'est pas bien, toi qui... C'est pas toi qui t'es occupé de son... Non, son lui, c'est pas lui, hein. C'est pas toi? Ah non. Non, je l'ai jamais croisé en celle-là. Lui, parce que tu vois, le jour où je suis parti, que je t'ai laissé avec Sacha. Ouais. C'est avant-hier. Oui, je m'en souviens, oui. En gros, il y a un des agents avec un chapeau qui s'occupait du recensement de Bobby avec un brun. Et du coup, agent avec un chapeau, c'est soit Dustin, elle m'a dit qu'il n'est pas de gilet jaune, soit Sacha. Sacha, oui, Sacha, ouais.
si jamais tu étais pas avec enfin après, moi je sais que j'ai Sacha, il reste que Brandon pas longtemps en fait. Après toi hein. Parce que moi j'avais pris ma fin de service juste pas loin de toi hein. Okay. Peut-être que c'est Sacha, ouais. Sacha ou Brandon comme t'as dit là. Mais après ça m'étonne de Sacha vraiment. Bon, en tout cas Zil, sa gueule d'amour elle me dit rien carrément là. Non, elle me dit rien. Non, mais c'était pas toi, hein, sûr. Moi je suis un bon mémoire, du moment où les gens ils sont bons avec moi, je suis bon carrément là. Non, bon, mais bon, je m'en souviendrai parce que ta façon de parler elle est quand même pas commune. Comment ça là, ça veut dire quoi ça? Je comprends pas, ça veut dire quoi là ma petite dame? Bah ça veut dire que t'es reconnaissable. C'est bien. Tu es hors du commun, ouais, t'es pas comme tout ouais, le monde. Ouais. Fais attention avec ta bouche, hein, Bobby, ok? Bah ma bouche elle va être nulle part, hein. Ouais, mais je sais pas, les gens ils dénigrent pas mal les manouches en ces derniers temps là. Mais il y en a plein de chez moi, des manouches. Ok. En Irlande, vous avez tout repeuplé. ça c'est ma communauté, ça, mais moi, c'est ma communauté, ça. Ben oui, même que mon papy, il a toujours dit, si qui veut... Non, en fait, rien. Regarde bien si je fais pas fin de soirée. Ma petite lobby d'amour, là. Si un de ces quatre, t'as des galères avec ton petit scooter de mort, là, tu me dis, moi, je tape tout, moi, t'inquiète pas, ok? Promis? Ah ouais, 2-3 pistons là-dedans, pam, je te mets un turbo, moi mort, laisse tomber le nitro, pam pam pam, tu vas cabrer toi avec ton scooter, t'inquiète pas là. Trop bien. Souvenu, oui, on nous a appelé. Si t'as un T4, t'as des gars, moi je tape tout seul à gratos, t'inquiète pas là. D'accord. T'es quoi, t'es une amie de Charousse? Hein? T'es une amie de Charousse toi, c'est ça? Ben on est amis. On peut dire qu'on est amis, oui. Oui. Ah bah, du moment où t'as une amie de Charousse, tout se passe bien, mais mort, t'inquiète pas là, c'est papier blanc, y'a rien d'écrit dessus, c'est gratuit chez moi, ok? D'accord. Charousse, c'est comme mon frère, c'est comme un ami, bon, c'est un frère, mon mémoire. C'est lui qui m'a accueilli, ouais, ça s'appelle lui. Je vois mes bras, tu vois. Je vois mes bras comme ça, là. Il m'a accueilli comme ça, carrément, là. Regarde mes bras comme ça, là, tu comprends ou quoi, là? D'accord. Non, je suis désolé, c'est... Ouais, c'est... des fois, c'est un peu compliqué, mais j'ai du mal à articuler, etc., là, mais... T'inquiète pas, je suis gentil comme tout, moi. Oui. Bon, j'ai un peu l'air un peu impulsif et direct, mais c'est comme ça que je parle chez moi, c'est comme ça, là. J'ai grandi comme ça, tu comprends? Oui. Ok, bah super. Ça va, tu te... bien? Oui. Bon bah nickel alors. Mais attends, mais oui, attends. Mais attends, oui, elle me dit quelque chose, ta gueule de mort là carrément. Pourquoi? Bah t'étais pas venu à la cérémonie? Si. Si. Ah, si elle va bon, chanter. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est le cas sans... Oui. Ok. Ils sont des américains. Ouais, tu chantes bien, c'est bien. C'est bien, t'as du potentiel. Bah à la base j'étais venu ici parce qu'on m'a demandé de venir chanter, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui se barre. Tout le monde s'est barré, ça s'est complètement vidé. Oui. Ah bah moi je suis pas trop dardé aussi là. Hein. D'accord. C'est vrai qu'il y a du bon monde quand même pour un petit barbecue là, c'est sympa. Bah non, il n'y a plus personne du coup là. Ah quand même un petit peu quand même. Bah il y en avait beaucoup plus il y a 5 minutes. Attends, excuse-moi, j'ai vu Jean News, il m'appelle. Oui, Wizen News, bonsoir. Oui, Wizen News, bonsoir, vous allez bien? Oui, merci, et vous, monsieur? Ça va très bien. Écoutez, mesdames, j'ai un truc pour vous. Oui. J'ai vu, vous avez fait un article sur Loose, le foyer Loose. Oui. Eh bien, j'ai plein d'informations qui pourraient vous faire une contre-information comme quoi c'est un foyer de menteurs. Pourquoi? Racontez-moi, dites-moi. Parce que, vous voyez, le foyer Loose, il est basé sur Loose, le prénom d'une femme qui, à ce qui paraît, morte depuis quelques temps. C'est ce qu'elle a déclaré, Madame Winter. D'accord. Elle a créé le foyer parce que cette madame est morte. Sauf que cette madame est toujours en vie. Ah et bon? Et ça porte le nom d'une famille qui refuse que le nom porte, le foyer porte leur nom. Ah bon? Je peux vous approuver des preuves, je peux vous approuver une vidéo qui témoigne. Waouh. De tout ça. Ben écoutez, si vous voulez, on peut se retrouver pour que vous me donniez tout ça alors. Bah, j'ai pas tout ça sur moi, mais je peux vous apporter des personnes carrément. Vous pouvez me pardon? Je peux vous ramener des témoins. Ah, des témoins? Mais vous m'avez dit que vous avez une vidéo. Bah, c'est à peu près c'est mieux que je ramène des témoins, c'est des témoins en personne carrément, c'est des personnes. C'est des personnes de sa famille? Oui, exactement. Et la personne qui est vivante, elle est là? Elle est en vacances, juste elle est pas morte. C'est quoi le nom de famille de Madame Luz? C'est de la Louse. Mais son prénom? Putain, je sais pas. Moi, je connais ses frères. Ils habitent à la villa de Roxwood. Écoutez, moi, je vais vous proposer quelque chose. Notez mon numéro, 2538. Okay. Moi, je m'appelle Bobby, d'accord? Ok, Bobby.
Vous me mettez, vous me ramenez un maximum de preuves à l'appui. Et on se fait une petite réunion avec les gens que vous voulez me présenter, d'accord? C'est quoi? C'est 35-25 votre numéro? 25-38. Ok, 25-38. Et comme ça, on essaye de mettre les preuves à l'appui que la personne n'est vraiment pas décédée, okay. D'accord? Ok, et Bobby, j'ai une question. Est-ce que vous savez faire... Est-ce que tu sais faire des vidéos, des pubs? Ben, ça dépend le style que okay, vous avez besoin. Ok. On se verra, Bobby. Ok, Bobby? D'accord. Allez, Bobby, bonne soirée. À bientôt, monsieur. À bientôt, Bobby. Bisous. Bonjour, madame. Ouais. Et ce que vous faire, vous versez encore, enfin, vous Selena. Donnez encore les Selena ça va, Selena? Oui. Oui, toi? Paraît que t'es énervée aujourd'hui. Ah. De quoi? Paraît que t'es énervée. Non, pas du tout. Qui a dit ça? Kurt. T'es un garçon, il t'a appelé pour travailler. Ah oui, non, j'étais pas énervée. C'est juste que bah, j'arrête pas depuis quelques jours, c'est pour ça. Si tu veux que je peux t'aider, tu me dis, je fais. Hein. Non, ça va, t'inquiète, tu peux. N'hésite pas, délègue hein, si t'as trop de travail. Bah, j'ai non, envie, non, non, t'inquiète pas. Non, mais c'est, là, c'est normal, c'est le début, entre les papiers, tout ça, il faut faire tout. Ouais. Faut, ouais. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais... J'ai fait l'interview du capitaine du Nord. De quoi? Oh, let's go, c'est bien voilà. Ça. Donc là, demain, je vais faire l'article de WWE, oui. Tu sais, le catch. Oui, oui, le catch. Après, j'ai l'article pour Ethan, le maire. C'est annulé, ouais. Bobby? Et hein? C'est annulé? Bah, écoute, je sais pas. Oui, mais c'est annulé, je crois. Il y a eu des... Ouais, je sais pas. On va ramener. Et après, je ferai le capitaine. Voilà, t'es au courant de tout. Vas-y, let's go. Bisous. Bah c'est annulé du coup. Ouais, il fout. Bah après il y a rien à l'intérieur non. De quoi Bobby? T'es annulé. Bah je pense pas. Qu'est-ce qui est annulé? La soirée. Bah ouais, j'ai vu la DOA et les flics arrivaient donc Il s'est passé quoi avant de stup? Quelqu'un a soif peut-être? Ah moi j'ai non merci du coup. Moi je veux bien. OK, s'il te plaît. Pardon. Dis-moi pouf, est-ce que tu veux steak frites, poulet rôti, tarte patate douce? Oh, patate douce. Ouais. Et tu veux pas une viande? N'hésite pas à venir à la Michelle. Ouais, t'inquiète. Tiens. Ah, t'es gentille, ma fille. Voilà. Merci beaucoup. Surtout, genre, enfin, même si la soirée est en train de se terminer, parce que voilà, si à un moment donné t'as envie de te taper un kiff et d'aller sur la scène, bah voilà, même si y a plus personne. Bah ouais, moi je veux bien chanter pour vous, mais là y a plus personne. Bah oui, mais c'est parce que en fait là-bas on a le stockage avec la nourriture et tout ça. Oui. Et on a plein de gens, ils sont pas censés rentrer, il y a plein de gens qui forcent pour rentrer, du coup bah ça a saoulé et. Ah, ça c'est le dégoût. C'est nul. Mais c'est pas grave, ou même si dans la soirée vous avez envie de réutiliser ce qui se passe, ce qui est ici. Faites-vous plaisir. D'accord. N'hésitez pas. Bah c'est gentil, merci à toi en tout cas. Pas de soucis, bon courage. À plus tard, bisous. Bisous. Bah, je vais vous laisser parler tous les deux. Non, je peux rester hein. Ah. Ouais, t'inquiète pas. Mais c'est comme je te disais, si t'as besoin ou quelque chose, n'hésite vraiment pas. Moi je suis toujours là. Ouais, ça roule, merci. C'est bon, ça. Je compte pas canner maintenant. Je compte pas partir. C'est pas mon but non plus. Ouais. Je m'en pas. Moi non plus. Ah, tu veux pas mourir toi? Non. Non. T'es trop heureuse dans ta vie? Oui. Ça se voit, t'es good vibes. Toi, pas te prendre la tête, t'es tranquille. Je te jure que depuis que je l'ai rencontré, j'ai le sourire. Je te jure, ça se voit, tu parles avec elle, t'es tranquille, t'es posé. Bah après, il y en a, ils me supportent pas beaucoup, mais je peux comprendre, tu es peut-être un peu trop pleine d'énergie. Bah, c'est important d'être pleine d'énergie. Après, ça dépend les humeurs de personne. Oui, bah là, c'est ça. Quand il y a l'énergie, elle matche pas, je peux comprendre. Hein. Mais c'est pas grave, après moi je me vexe pas, hein. Il suffit juste de me dire les choses gentiment, c'est hop, tout. Un trou. Tout dans le respect. Oui. Hop, deux trous. Mmh. Enfin, t'as vu quoi. Tu connais, hein. Toi-même tu sais comment dire. Ouais, je sais. Oui. J'ai vu ça dans une vidéo, maintenant je le dis tout le temps. Dans quelle vidéo? Sur le YouTube. Il y a un jeune, il dit toi-même tu sais. Ah, moi je regarde pas YouTube. Tu connais pas la traîne de. Ah mince, je la connais plus. Non, moi je regarde que Dailymotion. Ah. TMTC, après, moi je connais ça de Fatal Bazooka. Hein. Ah ouais? Par la maman. Hein. Ah oui, par la maman, c'est ça. Oui, c'est ta. Oh, la rêve de fou. Là, c'est. Là, il y a une traîne en ce moment, c'est genre. Do you want my money?
Voilà. Money, 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 money. Ouais, j'ai vu ça sur Dailymotion. Oui. Voilà. J'essaie d'être à la page parce que moi je veux devenir une influenceuse sur Instagram. Ah bah c'est intéressant. Faudrait que tu payes des abonnés, que tu demandes un compte certif. Bah c'est ça, mais pour l'instant j'ai pas encore ouvert. Faut que je le fasse. J'ai pas le temps. Je crois que c'est 04 qui est certifié influenceur. Ah bon ? Attends, 04 ? Je crois. Hein. Attends, depuis quand il est certif lui ? Il a payé lui. Pourquoi j'arrive pas à rechercher sur Instagram ? Je crois que lui c'est sur Twitter. Ah ouais mais... Sur Twitter. Ah oui c'est vrai, il y a Twitter aussi, il faut que je m'y mette. Il y a trop de choses à faire. Bon du coup il y a... Il est influenceur mais tout jamais. Il y a rien d'autre entre temps ? J'ai pas suivi, t'as dit quoi ? Y'a quoi d'autre à faire ? Bahamas à présent, barbecue party, bah ouais. Bahamas il veut pas récupérer la soirée au Bahamas justement ? Bah bonne question. Hein. Il y a une certaine raison ou pas du tout ? C'est dommage. Bah pourquoi ? Parce qu'il y a quoi d'ouvert sinon ? Je sais pas. Bon, on va pas rester là indéfiniment. Hein. Parce qu'on a une opération de police, monsieur. Il est laissé d'ouvert. C'est le mec qui a rien compris. On va faire une contre-souris au mec là. Vas-y. Ah, faut que le bordel au mécano il va péter un câble d'oreille. Ah, elle est avec son copain, Selena. Ah putain, c'est lui le biker. Oui. T'as pas une caméra? Mais non, mais j'ai pas parce qu'il est au... Elle a pas encore acheté, Selena. Moi, je vais pas en acheter un à mon compte. Hein. Bah pourquoi tu fais pas remporter via l'entreprise? Tu l'achètes, tu demandes le devis à LTD, tu l'achètes de ton côté et elle te rembourse directement en virement. On a le droit de te faire ça? Bah vois avec Selena. Après vois avec elle, mais je pense que... Mais oui, si tu fais un devis et tout et qu'elle te rembourse derrière. Bah je lui demanderai alors. Mais attends, excuse-moi ouais. Parce que je crois que je suis mal poli, je t'ai même pas demandé ton prénom. À qui? À toi. À toi. Ah, moi c'est Latrelle. Ah, enchanté, moi je m'appelle Bobby. Enchanté de même. Tu fais quoi toi, Latrelle? Tu travailles à la police aussi? Non, pas du tout, moi je vends des armes. Bah c'est tout comme la police, presque. Non, moi je passe à la police et 8 tirs. Non. Bah je suis armurier, je travaille à l'ammunition. Ah bon? Ah oui. Et ça va, c'est pas trop dangereux de travailler à une ammunition? T'as pas les gens, ils viennent t'embêter parce que justement t'as des armes? Non, personne m'embête. D'accord. T'es chouette. Hein. Ça ou quoi les ouais, gens? Ouais, je suis plutôt tranquille. Ça va et toi? Ça va tranquillement. Tranquillement. La pêche. La pêche, toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est possible comme vous dites. Hein. Le calculez pas, lui, il est vieux, il est sénile. Ça allait bien? Ah, il a pas l'air d'être sénile. Si. Je vous assure, dans deux secondes, il est heureux dans sa vie. Dans deux secondes, il va vous insulter, il sait même pas pourquoi. Ah. Bah après, ouais, il peut toujours essayer, hein. Moi j'ai de la répartie, donc... Moi, il m'insulte tous les jours d'autochtones, d'immigrés, je comprends pas. C'est l'enfant d'un craqué, d'un... Quel père tel fils. Bon. Bah il a pas l'air dans un sale état, ah ouais, il a l'air bien. Monsieur. Ouais, c'est que le début de la soirée, sachez-le. Bah de toute façon, la soirée, au vu de comment elle est, il va pas y en avoir beaucoup. Il y en a pas fini, là. Ouais. Genre, c'est... Vous voyez bien Kamal, là, à déranger les gens. Là. Ah, je vous dérange? Non. C'est une soirée organisée par les SOA, il n'y a plus de SOA. Non, mais c'est bon, j'ai compris, si je vous dérange. Mais non, ils sont bizarres. Ils partent même pas du même côté. Arrête, lâche-moi la grappe. Ah, c'est Big Wheel. C'est des grapes. Qu'est-ce que t'as dit? Il parle avec qui, J-Con? Il est où, J-Con? Derrière. À gauche, là-bas. Où? C'est Lucie? Où? Non, je pense pas, Lucie, elle a un truc à l'œil. 08, on y va pas. C'est bon ou pas? Ah oui, c'est J-Con là-bas. Salut Max. On peut y aller non? On reste? Ah oui, vous pouvez y aller. Alors si l'autre regarde à gauche, hein, il va pas tenir le flambeau. Alors là, la petite flamme. Il va dire j'ai sorti mon meilleur Dom Pérignon de 2013. Il est en train de draguer. Ouais, je crois il est en train. Je crois J-Con là, il est en train de faire des trucs là. Je crois il essaie d'avoir quelqu'un là.
D'ailleurs, tout à l'heure, Jacon, il m'a un peu saoulé. Hein. Pourquoi? Par à quoi, quand? Bah, par rapport à toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'y ai fait? Bah, rien, c'est juste que il pense que entre toi et moi, il y a quelque chose. Bah, alors que non. Mais pour. Enfin, il t'a dit quoi pour penser ce genre de choses? Bah, il me dit, sinon, et Bobby, ça va? J'ai dit, bah, ça va. Il dit, non, mais ça va ou ça va? J'ai dit, bah, ça va. Ah, sous-entendu. Ok. Ouais, les gens, ils arrivent peut-être ça pendant au moins 5 minutes. Non, Bobby, non, Bobby! J'aurais dû fermer ma gueule. Allez, viens là. Non, mais. Il y a une dame qui se fait kidnapper là, non? Bobby, tu pourrais faire ça autre part! Eh ouais, Bobby! Mais. Mais. Faut garder les petits secrets. Mais j'aime pas les gens, ils lancent des rumeurs! Je m'en fous. Faut aller laisser parler les gens. C'est ce que je fais, j'ai pas besoin de. D'accord. Mais moi, mon sujet, je lance des rumeurs. Excusez-nous pour la soirée, petit désagrément, ben on verra non, pour une prochaine. Rien, désolé, une prochaine. Bah, non, vous inquiétez vous pas, on refera. Oui, on fera ça, pas de problème. Amusez-vous bien, bonne soirée. Une bonne soirée. Ciao. Ciao. Allez, la bécane, va. Dun, dun, dun. Moi, j'ai une pétrolette. Peut-être un jour, on pourrait les suivre derrière. Bah, le jour où ils organisent un raid, tu vas avec la pétrolette. Oh, ça serait trop bien. Enfin, après, je pense pas que je les rattrape, on va pas se mentir. Hein. Au pire, je te battrai auto. Non, ça c'est trop dangereux. Une pétrolette, c'est très bien. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une petite compacte et après, je serai tout bien. Tu veux acheter quoi comme. Je sais pas encore, attends, j'ai moi. Attends, ah mince, je suis encore sur l'appareil. Oui, non. Attends. oui, non, t'es. Elle est partie, Selena, tu peux arrêter de la solk. Oui, pardon. Faut pas le dire. Alors ici j'ai dit non. J'aime bien l'asbo. Ok. Non, moi j'aime beaucoup la petite la Brioso 300. Ça j'aime bien. J'aime bien la Weeville. C'est une petite coxie. Ok. Kanjo c'est pas mal. Et la Ariaz. Attends, elle est où? C'est dans Nouveauté. Vas-y, je vais regarder une nouveauté. C'est la toute première. Voiture. Je vais peut-être aller me coucher à. Pourquoi? T'en as marre? Non, je sais pas où il est mon fils et je m'ennuie un peu. Mais attends, on va trouver un autre truc à faire. Je trouve pas les nouveautés. Y a pas une catégorie nouveauté? Tu vois pas? Bah non, je vois pas. C'est non, en fait, faut que tu retournes en arrière. Ouais. Ou que t'appuies sur le petit truc en haut à droite là pour ouais, le défilant et il y a nouveauté. Ah oui, nouveauté. Voilà. Ah, la Rias, elle est bien, ouais. Elle est pas chère en plus, hein. 7007. Ouais. Tu l'as cette application, David? C'est quoi comme application? Ça s'appelle Premium Deluxe Motor. Il faut que t'ailles dans ton App Store et t'as plein d'applications. Oui, oui, oui. Et dedans. Attends. Et ça te permet de voir justement les prix des voitures et des motos que t'aimerais acheter. Mais faut faire attention parce que le catalogue il est pas tout à fait accurate. Parce que moi je voulais m'acheter un Faggio à la base, tu vois. Et le Faggio, et ben en fait celui qu'il y a dans le catalogue il est pas au PDM. Il est où? Bah il est pas. Bizarre. Bah ouais. Bah, logiquement s'ils le mettent sur l'application, ouais. Ouais, c'est peut-être sur commande ou des trucs comme ça. Dis-toi, il y avait même à l'époque. Bon, ça date, il y avait un gros camion que tu pouvais avoir sur commande et il y avait des guirlandes et tout dessus. Arrête! Ouais, c'était que sur commande et tout. Et c'était Brandon Morris qui s'en occupait. Bon, malheureusement, il est décédé, mais c'était trop stylé. Ah, ça aurait bien aimé. Il y avait des guirlandes vraiment partout. C'était comme un camion, comme un truc de Noël. Un camion de Noël. Ah, oh, j'aurais trop aimé. Pourquoi tu m'as envoyé une photo de la route? Non, j'ai pas fait exprès. Il y avait peut-être quelque chose sur la route. Hein. Oui, c'est la moto que j'ai fait. J'ai pris la moto. Ah, ta moto de qui? De Tony. Ah, t'es qui Tony? Tony de SOA. Ah, tu connais pas. Moi je sais pas, il m'a prêté sa moto. Je prends photo. C'est qui est en Punskard déjà? Je sais même plus. C'est quoi une Punskard? C'est la fourrière des véhicules, si tu préfères. Je sais pas, je crois qu'elle est une
l'époque, les Marazel, ils m'avaient dit qu'ils voulaient les récupérer. Parce que moi, j'ai reçu des actions chez eux, mais faudrait que je les contacte pour savoir lequel c'est. Ah, y'a de l'action là-bas, dis donc. Ouais. Putain, mais par contre, y'a un Yamakasi dans l'eau. Je crois que c'est Yamakasi qui se fait suivre. Ah bah oui. C'est sûr, c'est un vendeur de stup. Qui c'est qui envoie des positions à Weasel News? Trop chaud. Non, mais ça c'était tout à l'heure, c'était en envoyer la position de la randonnée à Ophélia, je crois. Non, je viens de la recevoir même maintenant, la position, et c'était dans le service. Donc forcément, si c'est dans le service, c'est pour moi. Ah, Weasel, pardon, autant pour moi. Non, t'inquiète. Moi, bon, j'avoue, la soirée est partie un peu en cacahuète, hein. Il faut laisser le temps, t'inquiète. Non, bah après mon fils, moi jamais. C'est juste que j'avais annulé tous mes trucs par rapport à cette soirée et du coup. Après, bah... de ce que j'ai compris, ils étaient en train de faire la mette ici. Hein? Ah ouais, ça se la met bien. Mais pourquoi? Ils sont cons quand même, non? Un peu. C'est pour ça que la DOA et les flics étaient là. Bah après, l'idée est marrante, mais quand même, faut pas abuser. C'est gentil, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faisait de la mettre. Pourquoi il faisait de la mettre ici? Stylé. J'en sais rien, moi. Bah, okay. Parce qu'à la base, ils avaient prévu des concerts. Mais je pense, en fait, ils ont pas assez prévu de concerts. En fait, je pense qu'ils se sont dit, c'est trop smart de faire ça. Au moins, les filles qui vont pas venir casser les couilles. Bah, après, non, c'est ce que je te dis. L'idée, elle est vraiment pas con. Parce que c'est souvent quand t'as les choses sous le nez que tu vois le moins. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Pas que ah ouais, tu t'ennuies sale, toi. Hein. Je pense que l'interview public, il a vachement attiré l'œil. Ouais. Bon. Vraiment, il n'y aurait pas eu ça, je pense que ça serait passé crème. Ouais. Et toi, j'ai déjà vu des gens monter sur le toit du casino pour planter. Allez, déjà, c'est utile. Non, mais ils sont rentrés, tu vois, dans le casino. Et ils sont montés en haut. Tu vois, tout en haut, au niveau des pentes. Ouais, le rooftop. Et ils sont montés. Oh, rooftop. Encore au-dessus, là où il y a le truc Diamond. Où y a ah oui, là où il y a les. Ok. Il y avait des gens qui étaient là. Je les voyais, ils couraient à chaque fois. Ils ont fait 4. Je crois qu'ils ont fait 5-6 allers-retours. Hein. Ah oui, quand même. Ben ah oui. Bon. Ah, c'était des charbonneurs. Hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais plus quel flic j'avais appelé. Ils s'en battaient les couilles. Ils ont fait, ouais, t'inquiète, la DOA s'en occupe. Bon, bah on va se rentrer tout doux, je crois. Hein. Ouais, moi je pense que je vais décaler. Hein. Bon, tout pareil. Hein. David a sorti sa guitare. Ah, il est où? Gauche. Ah, gauche. Bah vas-y, attends, moi je vais voir. Gauche. Ah oui. Bah je vais vous laisser, moi. Bon, bah bisous. Allez, bonne soirée. Vas-y, bisous, la trail. Bonne soirée. Bonne soirée. On va faire de la pétrolette. Bah, il faut que je passe au poste pour aller poser la voiture et récupérer ma moto dans ce cas. Peux t'accompagner ou ça te dérange? Non, tu peux venir. Oh, il est trop bien ton vélo. Attends, tu veux voir ma pétrolette? Non, mais tu me l'as déjà montré. Oui, ton père, il est de bonne humeur, il est là-bas. T'as oublié que j'avais. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors là, tu me recules. Je l'ai. Putain, je me suis dit, elle va se rattraper, ça va être incroyable. C'est encore pire que prévu. J'ai même pas oublié le moment où t'as oublié la personne. Non, mais vraiment, je te jure qu'il aime bien, châtie bien. Non, par contre, ton père, je crois qu'il est vraiment en train de déprimer. Pourquoi? Mais parce que la soirée, elle a été annulée. Je pense qu'il comptait sur la soirée pour faire des concerts et tout. Et du coup, bah là, il est. Regarde, tu vois pas, il est tout seul là-bas. Il joue de la guitare. Putain, mais il fait honte, on dirait que le chat. Il fait de la peine. Y a pas une soirée, tu veux pas qu'on aille faire un truc, Bobby? Bah, avec des amis. Pour l'instant, y a rien. Y a rien de tout ouvert. Moi, je pense que je vais me faire un break un peu. Et après, on verra. Hein. Après, tu reviens? Oui. Il y a moyen. Non, mais il y aura encore moins, plus le temps avance. Non, mais attends, il y a vraiment moyen. Là, je vais juste des rosses à déposer des trucs. Tu veux venir avec nous? Bah, vous allez où? Bah, j'en sais rien, viens. Allez hop, plus on est de fous, plus on rigole. Mais en fait, je suis un clown, quoi. Mais non! Aïe!
Même pas si tu m'aides, hein. Et tiens. Ah, le pied. Pardon. Ça va? Je crois que je lui ai donné un coup de pied. Ça va, Kikart? Tu m'as pété le nez, je crois. Non, c'est pas fait exprès. Ça va aller? Oui, c'est vrai. Attends, attends, moi la main. Attends. Attends. C'est bon? Allez. Oui, c'est bon. Hop là. Voilà. En tout cas, c'était super la randonnée et la soirée. J'ai pas trop de place sur la moto par contre. Hein. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah non, bah allez-y à deux, allez-y à deux. Alors. Non, mais attends, tu veux nous suivre en pétrole? premier degré, je suis chaud. Non, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire, Ross? T'as une idée, toi, un peu ou pas là? Alors, attends. Il y a vraiment rien d'ouvert, c'est une dinguerie. Tu veux pas ouvrir le y a pas un bar là qu'on peut. Il y en a plein, ils m'ont dit c'est bizarre, dispatch, rien ouvert. Hein. Bah go ouvrir le dispatch, non? Oui. C'est quoi le dispatch à ouvrir? C'est le bar des flics. Ouais, le SSP Nord ont leur propre bar et ils ouvrent ses consommations gratuites. Et Mais comment vous faites pour que ce soit gratuit? On aurait pu prendre David. On a le gouvernement qui nous aide à... Attends, je vais l'appeler. Non, vas-y, continue. Je crois qu'il cherche à me suivre. Il y a le gouvernement qui nous paye les consommations. Il me répond pas. Bon bah tant pis hein. Doucement. Je vais doucement. Ben Ah il me rappelle. Oui t'es où? Je suis avec ma guitare parce que Mais t'arrêtes de déprimer là comme un vieux J'ai ma mère à l'hôpital donc s'il te plaît. Je suis pas très bien ce soir, c'est pour ça. Bon, tu vois, papa. Mais je sais qu'elle est à l'hôpital, elle m'a appelé hier. Je suis pas très bien. Mais viens, monte, on va ouvrir le dispatch. Oh non. Oh non, papa. Papa, arrête de pleurer. Mais non. Mais non, mais arrête de pleurer avec ta guitare, on dirait de Chiran, là. Vas-y, relève-toi. T'es tout dépressif. Mais elle va pas mourir, ta maman, elle m'a promis qu'elle mourrait pas. Ça va aller? Ça va aller. Siège tes larmes, mon papounet. Ça ne sert à rien de pleurer. Ouais, ça va aller. À quoi bon être triste? Si ça a la vie, être assis. Non, papa. Faut pas te déprimer, David. Ça va aller bien, elle est solide, ta maman, de ce que j'ai vu. Oui, ça va aller, oui. Ouais, allô, Samu, comment ça va? Pardon, Je suis avec mon papa, non, il doit faire on a tous le droit d'avoir des coups de mou. Il est triste. Ouais, je te rappelle. Attendez, c'était une mise en scène pour qu'il fasse de la guitare. Je crois. Ok. Qui ignore le dispatch? Attends. Ross! Oui. Tiens. Regarde! T'as envoyé un mail.
De quoi? T'as envoyé un mail. Ok. Ah mais vous m'attendez pas? Super. C'est bon. Non mais ça voulait se casser sur moi, Papales. Vas-y. Non mais on reste à deux, c'est pas... Ça a fait un plan en scred pour m'oublier en fait. Mais non, mais carte. T'as vu, papa, moi je suis gentil avec les gens. Non, vélo, oh, après tout, c'est pas grave. Ouais. Allô, Brutus. Allô, Bobby, ça va? Ça va être toi? Allez, hop, oui, ça va, tu fais quoi? Pour l'instant, on tourne je un monte, peu ou pas en rond. Mais oui, monte. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ok, je voulais te proposer un truc pour les Weasel News. Oui. C'est de faire la... Ah putain, alors comment ça peut être? Peut-être pas la semaine prochaine, mais genre la semaine d'après. Oui. Pas lundi qui vient le suivant. Oui. Une sorte de magazine en fait. Mais un magazine assez court. Avec un booster offert, tu vois. Et vous pouvez les commercialiser. D'accord. Magazine sur quoi? Sur le catch? Ouais, moi si tu veux, je peux m'occuper des. Bah, j'aurais pas ton talent pour écrire un article, mais un peu te fournir des pistes ou quoi, des choses du moment, des tendances. Ouais, avec grand plaisir. Et toi, tu utilises tes talents pour manier la plume. Bah, ce que je peux te proposer, c'est genre, tu me donnes par exemple une photo ou deux ou trois, comme tu veux. Tu m'écris un mini texte à la con avec les noms surtout, parce que moi je les connais pas. Hein. Et ceux qui font la catégorie nanani nanana. Et moi après, je te fais ça tout comme il faut. Incroyable. Mais ça va être payant par contre, Brutus. Hein. Bah quand même, c'est logique. D'accord. Tu connais les tarots ou pas du tout? Non, dis-moi. Attends, laisse-moi y regarder, je connais pas par cœur. C'est qui par cœur? C'est Peter. Ah bah oui, les fameux. C'est lequel les meilleurs Peter Parker pour toi? Oh là là. Oh là là. Franchement, je sais même pas. Les derniers. Non, okay, si, bon, le dernier, le jeune. Le jeune, il était pas mal. Ouais, c'est pas vrai, celui c'est qui vrai. Avait une tête de cocker, mais l'autre, le dernier qui a joué non, avec Iron Man. Non, je crois que je vois lequel tu parles. Oui. Ok, d'accord. Alors, pour... ça serait quoi? Ça serait un article? Ouais, je pense que ce serait sur une page. Et tu aurais peut-être trois choses différentes, je sais pas comment ouais, expliquer. Oui, trois photos avec trois, ouais, trois voilà, combattants. Voilà. Ouais, ok. Oui, bah, il faut ça. Que tu comptes 3500. Oh, mais putain, je pensais que tu allais me dire 15 000 $, 30 000. Non, mais bon, c'est quand même de l'argent, quoi. Pas de données. Oui. Mais écoute, c'est 3500 par article. Donc voilà, au moins tu sais. Ok. Et moi je pensais en faire un par semaine pour commencer, voir un peu ce que bah, ça donne. Ça peut être hyper intéressant, moi je suis preneuse. Hein. Ça, okay. Si ça me fait un article pour la semaine à chaque fois, je suis preneuse. Ok, bah, dans la semaine prochaine, je réfléchis un peu à. Ouais, histoire tu peut-être ça t'en donner 2-3 d'avance, tu vois, comme ça d'accord. On est tranquille. Ouais. Et ensuite, semaine d'après, ça commence. D'accord. Et vous, en fait, là, actuellement, le seul moyen de les commercialiser, c'est en ligne. Oui. Ça, c'est dommage. Oui. Comment on peut faire? Bah, après, dans l'article, je peux mettre. Parce que toi, ça serait quoi? Ah oui, parce que toi, tu voudrais qu'ils achètent et en même temps, ils ont la ouais. carte. Tu sais, on met genre une petite pochette plastique avec l'article et la caméra. C'est bon, j'ai une idée, je sais comment on va régler ça. Sinon, tu peux le faire physiquement, mais après, ça bah, coup, tu passes pas par le Weasel News. Non mais si, alors on fera les deux, genre on fera paraître l'article en ligne, oui. Comme ça toi ça te fait un article et ça fait un peu d'argent, etc. Non mais après je peux te faire des flash infos. C'est-à-dire que ça coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est 4000 et du coup je dis flash info le jour où t'es dispo, tu vois, aller à la WWE, acheter le magazine avec le booster offert dedans. Ah ouais, bah, carrément on pourra faire ça, ouais, c'est une bonne idée. Si ça t'intéresse. Mais si t'as besoin c'est que je te mette en idée. Page des choses, je peux le faire aussi. Ok, ça marche. Ben, je t'enverrai une sorte de maquette, mais que j'aurai fait à la main, donc qui sera bien hideuse, mais au moins... Non, mais on s'en fout, t'inquiète. Mais voilà. Tu me donnes un exemple de comment t'imagines le machin. Moi, je te fais la mise en page, je t'envoie la clé USB, puis toi, tu les imprimes.
Eh bah super, on fera comme ça. Ok, ça marche. Nickel, Brutus. Bon bah je te souhaite une bonne soirée, tu me dis si t'as besoin. Bonne soirée, toi aussi. On va ouvrir le dispatch si tu te fais chier. Ok, ça marche. Eh voilà. Bah écoute, carrément. Ok. Allez, à plus tard. Allez, à plus Bidou. Tard. Coucou! Il sent bon le micro. Je suis toujours sur le micro, moi. Toujours. C'est mon gros problème. J'adore me coller dessus. Je sais que c'est pas bien, mais j'adore me coller dessus. C'est un appui-tête, en fait, le machin. C'est devenu un appui-tête. Le Bahamas qui vient d'ouvrir au moment où je fais l'ouverture du dispatch. Mais non! Non. Mais attends, elle va pas ouvrir. Bah ouais, mais comme la soirée était annulée... Mais il n'y a pas un truc ce soir qui va se passer comme prévu. Non, mais il y a des soirées comme ça, faut pas chercher à comprendre. Du coup, en plus, elle m'a recalé parce qu'elle avait trop de monde là-bas. Mais elle veut bien me prendre en tant que musicien, en tant qu'artiste, mais bon, faut pas ça... Bah c'est déjà bien, pas. Non. Oui. Bah je préfère qu'elle me paye en tant qu'artiste que de servir des gigolos. Bah oui. Après moi, Bahamas, je connais pas, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est... Je sais pas ce qui se passe. Oh là là, la voix lactée, elle est belle. C'est un club, non? Oui, je suis... C'est une bonne nuit. Donc, tu crois que ça va aller au Bahamas, du coup? Ouais, c'est certain. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Pas. Vous pouvez vous mettre là, regarde, vous pouvez vous mettre juste, regarde, comme ça, tous, comme... à cet endroit-là. Attends, parce qu'en plus de ça, j'ai tweeté toute l'ouverture, donc Du coup, j'ai pas les amis de l'œil. Ah bah voilà, il y a du monde qui arrive et tout. C'est bien. Ross, il y a le. Aïe! Oh pfff! Mais ça va pas? Lucie. Attends, je te rappelle, J-Con. Mais elle est complètement malade. Non, je suis juste. Je sais pas, bah, j'ai. Je sais pas, j'ai. Mais non, en fait. Non, j'ai voulu reculer. Eh, avec son œil droit, t'as pas vu. Ross, il y a le Bahamas qui vient d'ouvrir, tu peux pas. Oui, mais c'est fils de pute, ils ouvrent une fois que j'ouvre, alors qui nique la race. Bah ouais, du coup, on n'a pas le droit. Oui, mais je m'en bats les couilles. Pour moi, je vais rester là. Mais oui, puis tu n'as pas le droit. Mon fils, mets-toi là. Mon fils. Bon, viens, Bobby, deux secondes, viens, Bobby. Quand tu te feras virer par là. Mon fils, ça va? Bah, je me ferai virer par là. Mettez-vous là, s'il vous plaît, maintenant. Bah, du coup, moi, je vais au Bahamas. Ici, là, où je suis, et regarde comment, vers moi. Désolé. Et je vous prends photo. Vous allez comprendre. Il a la voie lactée. Ouais. Oui, il veut que voir la voie lactée. Voilà. Décalez-vous un peu. Le là. Lactée, ouais. Sinon, le poteau, là, c'est pas agréable. Bah, c'est toi, tu nous as dit, hein. Voilà. C'est bien. Fumier, ouais. Décalez pas, c'est moi qui me décale. C'est moi qui me décale. Oui. Pardon, papa. Papa. Yes, quoi? T'as dit. T'es de ma gueule là. Non. C'est une blague. Pas du tout. Concentre-toi sur ta. Oui. Ta photo là. Ah, purée. J'espère que le résultat. Oui. Voilà. Voilà. Mais ta gueule, putain, le cœur. Deux secondes. Il est toujours comme ça? Oui, c'est le cul. Il est bizarre un peu, non? Oui, il est bizarre. Tu crois pas qu'il veut nous marier? Quoi? Tu crois pas qu'il veut nous marier? Oui, tu penses? Je sais pas. Ah bah, trop tard. Comment ça, bon. C'est trop tard? Non, mais c'est bon. C'est bon? Oui, ça va. Oui. T'as besoin d'un mouchoir? Je t'entends renifler tout à l'heure. Non, c'est pas tu ici. Qui ouais, parce que t'es triste ou t'es un gros pain? Toi t'es vraiment toi t'es dans le charme et la délicatesse hein. Oui pardon Bobby. Oh. Oh là là. Ouloulou. Ah je les veux bien du coup aussi. Sont belles. Tu sais pas. Non. 14 minutes pour m'envoyer une photo. Je meurs. Non mais attends, mais avant de voir, envoyer lui quand même. Bah c'est déjà fait. Ah bon? Bah tu les as eu? Mais pourquoi tu m'as coupé sur la photo? Il a mis un smiley sur ma gueule. super sympa. C'est vrai? Waouh. On est... Attends, fais voir. Non, ça va recommencer, arrêtez, s'il vous plaît.
Mais comment ça, tu me refuses de regarder? Pff, t'es plus... Non, mais j'ai... Non, Poppy. Non, t'as... Mais si c'est faux, mais si t'es faux. T'as mis ton doigt sur l'écran. T'avais entendu, on te revoit pas. Par contre, elles sont vraiment belles, les photos. Voilà, abandonné. Ouais. Toc, toc, toc. Oui. Bonsoir. 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 Et après, là-bas, c'est juste un simple petit garage. Ah, bon, ben. Bon, bah, salut, au revoir. Salut, la politesse. Elles sont super belles, les photos, papa. Ouais. Ah, ils avouent, elles sont jolies. Attends, faut que j'aille. Là-bas. Et encore, t'as pas vu la lune là-bas. Bah, la lune. Ah, okay. Bah, tu la vois pas la lune? Où? Oh, putain, en face. C'est un plan. Il y a une lune? Oui, dans le ciel, il y a une lune, oui. Bah, oui, mais je la cherche. Ah, oui, mais derrière les nuages pour moi. Vous disiez quoi, pardon? Bah, on disait bon, bonsoir, mais. Il y a des pipi rooms? Ouais, vas-y. Où? Ah oui, il y a la lune. T'as déjà fait pipi sur une AK-47? Non. Eh ben, bienvenue. D'accord. Kitty. Vas-y. Il était fermé. Ah, attends. Ah, vas-y. Merci. Ah, je reviens. J'en peux plus, faut que j'aille pisser.
Nobody else. Ça va, mes amants, je suis désolée. Je suis en train de parler avec mon mari. On se faisait un petit résumé de la soirée. Allez, bon, bref, je suis allée dodo. Bisous, la Marseillaise! C'est dodo, quoi. Il fait pas les choses à moitié, Sena. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais que ma fille, elle dormait fort. Mais elle dort tout le temps, ta fille. C'est peut-être pour ça que... je sais pas, on sait rien. J'espère qu'un jour, elle va se réveiller. Mais ça va, s'il te plaît, ici. Je parle pas trop. Elle est assez réservée, ma fille, donc... Je suis plus proche de mon fils que de ma fille. Ben oui, mais bon, ta vie quand même. Je sais. J'aimerais bien que... C'est quoi, je vais la secouer là? Non. Elle dort, elle est fatiguée. Ben oui. Non, mais elle était contente, elle était heureuse. Mais bah oui, elle est heureuse. Bah non. Elle devait être un peu fatiguée aujourd'hui. Ouais, je pense qu'elle était vraie, peut-être un peu fatiguée. Oui. Voilà. Viens. Ah, il se passe quoi là du coup? Il y a des soirées privées? Non, mais du coup tout le monde est au Bahamas. Non, il y a deux Balas qui nous disent qu'ils reviennent du Bahamas, il n'y a personne au Bahamas. Hop. Oui, ok. Ah. Bah, alors, peut-être que le temps qu'ils viennent. Alors, peut-être que, ouais. C'est ça. Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. De quoi? Que chacun fait sa vie de son côté. Ah, ok. C'est-à-dire quoi, chacun fait des soirées de son côté? Oui, ou c'est leur vie, hein. Des copains qui restent ensemble. Ça arrive, hein. Oh, bah oui. C'est vrai. Et t'as l'air malade, t'étais sûr que tout va bien? Oui, ça va. Tu parles du nez? T'as dormi le cul à l'air? Ouais, la fenêtre ouverte et le cul à l'air, ouais. C'est pas bien, hein? Non, j'ai pleuré, j'ai le nez qui il faut que je me mouche. Je suis désolée en tout cas, mais t'inquiète, ta maman elle est forte, hein, faut pas que tu t'inquiètes comme ça. Faut lui envoyer des bonnes ondes. Oui, mais à 80 ans, si opérer du cœur, je vous ferai quoi à ma place, hein? Oui, c'est sûr, mais s'inquiéter, ça va t'amener à rien. De toute façon, là, c'est fait. Ah, je préfère m'inquiéter. Ah non, hein, c'est bon, j'en ai marre de prendre des coucous de pain. À quoi bon chouiner, quoi. Je sais pas, des coups de choc. Bah non, mais il me donne des coups de poing depuis tout à l'heure. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Là. Je suis loin du coup de poing. D'ailleurs, André, t'as dit quoi par rapport à l'article? Il a tout doré. Tu vois, je t'avais dit. Il m'en veut pas d'avoir oublié de DDH. Parce que j'ai oublié d'écrire DDH dans son... Mais il a dit qu'il avait lu... Ah oui, qu'il avait lu en entier et il a beaucoup aimé. Ouais, bah tant mieux. Tu vois, je te l'avais dit. Je suis contente. Du coup, là, demain, normalement, je suis censée faire l'article de la WWE. Après-demain, je fais l'article de Monsieur Flores, le maire. Et après-demain, je fais l'article du capitaine. Ok. Et maintenant, j'ai une enquête aussi sur la radio qui fonctionne pas. Et sur... La radio qui fonctionne pas. Oui, il paraît qu'il y a, il y a la radio, les Tutukiwoki sont fait hacker. Ah bon? Oui, il paraît qu'il y a eu des trucs dans la radio. Qu'il y a eu des voix en espagnol et tout. Ah oui, mais ça c'est pour Galapagos. Ah, c'est pas ici? Non, c'est Galapagos. Bah, elle a pas des sources, c'est Léna. Hein, parce que si elle commence à me faire chercher ici, je suis pas dans la merde. Oui, non, c'est ça concerne Galapagos. Elle m'a même pas prévenu que c'était les Galapagos. Un peu nul. Bon, on va se rentrer, hein. Oui. Ouais, moi, je vais aller me poser, rien. Allez, go. Tu vas se fermer? Il y a besoin de fermer les portes? Ouais, je vais quand même fermer. On est parti! Wow!
Posé en voiture avec les collègues, on va y aller et pas y retourner. Que des soirées de merde, que des trucs annulés. On s'est bien fait prendre à l'envers. On n'a rien fait du tout. Demain, on va nous promettre quoi? Un truc en montgolfière. En réalité, bah, c'est on va rien faire du tout. Et non, mais là, final, c'est bon, on a trouvé, moi j'ai pas écrit directement. Non mais par contre pour la prochaine fois je vais essayer d'organiser un truc soit au terrain cross avec des motos avec fois, le... Ben alors David c'est mal poli. On n'a pas dit qu'on était mal poli sinon. Bah sinon la prochaine fois vous démerdez, vous organisez votre soirée hein. C'est aussi bien. Le chauffeur il est énervé, il a fait rentrer dans 3 ans. Ouais ça doit être ça, je dois être gris. Non, ça... Il va le déposer à... dans la forêt. Rentrer à pied. Bah, wow. Tu le mériterais un petit peu quand même. C'est pas très non, gentil. De quoi? Mais il nous a coupé la parole. Bah, il nous a pas coupé la parole. Il vous a expliqué quelque chose pour la prochaine fois. Ah, mais c'est parce qu'on était en train de faire la musique. Du coup, d'un coup, il y a eu le changement. Du coup, on n'a pas compris. C'est pour ça. Mais ouais, effectivement, t'as raison. On va peut-être organiser un truc plus organisé. Non, c'est quoi ça? Ça va, Jonathan, et toi, Boubou? Y'a du feu dans le ciel. Nos balayons. Aïe. Du coup là on fait quoi? Ben je vais vous déposer et moi je vais faire ce que j'ai à faire. Ok, nickel là. Merci. Martine Tirotte. Merci beaucoup. Aïe. Oh là, oh là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu vas, merci. Tu vas aller faire quoi toi? Je vais très certainement me rentrer. Ok. Bon, moi aussi. Attends. Pourquoi il a tapé? Pourquoi il a tapé la dame? Mais il est malade. Mais il est énervé ton père ce soir, non? Il est de mauvaise humeur, hein? Non, mais je sais pas, je ferai les dépulsions. Ouais, mais même il est pas super agréable, on va pas se mentir, non? Ah bon? Bah, je sais pas, dans la voiture, il était pas ouf. Oui, peut-être si à cause de ma mère, je sais pas. Ah bon de ma grand-mère. Oui, je comprends, mais c'est pas une raison d'être mal poli, non? Oui. Mais je vais lui parler, je suis désolé. Non, non, qu'est-ce mais... Qu'est-ce qui se passe? Rien. D'abord, ton whisky, toi. Je suis sûr qu'il y en a là-bas. J'en ai pas. T'en ai pas. Il tremble. Non, mais après, je comprends. Par contre, si quelqu'un a des clopes, je prends. J'en ai pas. Je me doute qu'il doit être déçu de plusieurs choses, mais il faut pas déverser. Après, tu l'as trouvé parce que j'étais en train d'écrire un message, j'ai pas fait attention à ce qu'il a dit. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il s'est vexé parce que pendant qu'il était en train de faire du beatbox et tout, Ross il a dit oui, mais la prochaine fois, il a commencé à parler et du coup, je pense que ça l'a gonflé parce qu'il l'a coupé dans son délire de musique, tu vois, mais. Oh non, bah je vais lui parler, mais il faut pas faire des embrouilles. Bah non, moi je veux pas. Justement, c'est pour ça que je te dis, mais je sens qu'il est énervé ce soir. Il est pas comme hier. D'accord, bah je vais partir en tâtonnage de terre. Tu me tiens en courant? Oui. Mais je veux pas qu'il y ait de soucis, c'est tout. Bah non. Des beaux trucs dans ton auto, Ross. Arrête ouais, de mais ça reste tirer là, hein. Sur les ça reste câbles. Là, Leroy. Hein. Il est en train de tirer sur les câbles. Mais non, je tire sur rien du tout. Mais non. T'es sûr? Ça reste là, Leroy. Ouais. Ça va pas dans ta voiture, c'est pas la même marque. Si ça bouge, c'est que c'était le destin. Ouais, enfin, si tu forces aussi, c'est pas trop le destin, hein. Non, mais normalement, quand tu vas rouler, ça va bouger tout seul. C'est le destin. D'accord. Tu me dis quand tu pars, hein, ok? Tu veux, je meurs, Leroy? Non, bah non. Non, ok. Non. Ah non. Ah ouais. Pourquoi je voudrais que tu meurs? Je sais pas.
Elle est belle, fais gaffe à tes mains. Voiture. Ouais, ouais, elle est belle. Elle est belle. Elle a de la classe. Bon, dis-moi quand tu pars, hein. Bah, je vais finir mes carottes dans mon lit. Bah, je te fais un bisou. Merci, Ross, pour nous avoir ramenés. Et merci, merci d'avoir essayé d'ouvrir le dispatch pour nous. Bah, je comptais. En vrai, je comptais pas d'aller dormir tout de suite, hein, mais. Et encore ouvert ou pas? Bah, au vu de la soirée, mort, c'est un peu. Ça pue un peu, hein. On va pas se mentir. Oui. Ah ouais? Ouais. Je voulais jouer le dispatch, il y a le Bahamas qui ouvre en même temps. J'apprends que le Bahamas, au final, c'est mort, il y a personne là-bas. Au dispatch, il y a personne qui vient. Ah oui, c'est ce que vous avez ouvert en même temps? Oui, qui ouvre? Bah, oui, bah, le Bahamas qui ouvre en même temps que j'ouvre. Oui, mais le Bahamas, il était pas censé ouvrir ce soir. Même qu'il avait dit qu'ils allaient pas ouvrir. Allô? Ouais, si on fait chier, tu le dis. Il est parti d'un coup. Mais fais attention à toi. Bah, c'est pas, moi je vais aller me coucher. Comme ça, moi j'en profite pour me coucher pas trop tard. Pour une fois. Pour une fois. Ça changera. Non, mais bon, après, au pire, je sais pas. Hein. Ouais, il était un peu triste ce soir. Il est parti dormir. C'est là? Ah, ouais, c'est ici, ouais. Qui? Voilà, va. Moi je pète la forme. Je sais pas. C'est la patronne du Bahamas. C'est Summer. Summer! Va dormir. Tu vis ici? Non, pas du tout. Moi je vis ici, moi. Ah oui, toi oui. Ou pardon, excusez-moi. Ah vas-y, à demain. Vas-y, bonne nuit, à demain. Je sais pas ce qu'il a fait à ma voiture, mais bon. Il est pour qu'il me dise que je vais revenir quand. Aïe! Quand je pars, bisous, Summer! Bisous. Sorry, Summer. T'as dit quoi? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a dit que je devais prévenir quand je devais partir, mais. Rassuré. Non, mais. J'en sais rien. Bah, tu préviens pas, tu pars, non? Ça va? Ça va et vous? Ça va. Pourquoi une dame par terre? Parce qu'il y a David, alors, David, il était énervé et il a tapé. Bah, là, elle est morte, ça, faut appeler les médecins. Comment ça, elle est morte? Bah, là, elle bouge plus rien, pas de poule. Elle respire pas. Hein? Mais non, elle est. Ah si, là, elle est dead. Non, elle est pas morte. Elle est morte? Oh, non. Ah oui. Bah, tu peux pas tuer quelqu'un avec un coup de poing. Ah, on sait pas, peut-être elle avait une maladie. David, ça a mon dieu. Oh, du coup, le dispatch, police. Il est ouvert ou pas? Non, il est fermé. T'as rien du tout, grosse barbe. Bon, ben moi je vais me coucher. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. À tout demain. Bisous. Bye. Pour toi, Winter, c'est une figure. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kurt? Oh non, non. Oh non, pas lui. Quoi? Pas Monsieur Kasi, pas le chasseur. C'est vrai, vous êtes bien défoulé ce soir. Ouais, on s'est fait défouler surtout. Oh non, il se passait quoi? Ouais, il y a sûrement des choses dans vos chambres ou dans le loose qui ont été vandalisées. Jimmy est rentré et a vandalisé le loose. Oui, je vous demandais de surveiller vos affaires personnelles, s'il vous plaît. Mais c'est quoi cette soirée nulle, là? Je sais pas. Attends, il est encore là? Non, il est parti. C'est un jeune des quartiers sud qui était résident ici bien avant vous. Malheureusement, on n'a pas réussi à le sortir de la rue. Il a fait des bêtises, on a pris la décision de l'exclure du foyer. D'accord. Et vu que il l'a mal pris, et ça fait plusieurs jours qu'il nous menace, et ce soir il est passé à l'acte. Donc ils sont venus à trois personnes, il y avait deux personnes à l'intérieur qui vandalisaient, et une personne qui était devant qui montait la garde. Non mais c'est n'importe quoi ce soir, on est libre-service quoi, c'est un marché. Non mais là ce soir ça pue du cucu hein. Après les copains, vous voyez pas ça en mal, c'est juste faut se dire qu'il y a des jaloux. C'est déjà la deuxième fois que ça nous arrive, il y a des jaloux, nous on va juste remonter sur le cheval et courir. On se relève, il y a rien, pour vous ça change rien, c'est juste qu'il y a potentiellement... Kurt, réfléchis, s'il te plaît. On peut pas courir sur des chevaux. Mais il est malade. Oui, on galope. Enfin, je sais pas, essaie de réfléchir un petit peu, utilise ton cerveau.
N'importe quoi, lui. Enfin bref, vérifiez... Eh, branchez vos deux neurones qui vous restent, là, vous deux. Eh mais oh, vérifiez vos effets personnels. Si jamais il manque quelque chose dans le loose, vous nous prévenez. On rachètera. Oui, oui. Et oui, faites attention, si vous pensez qu'une personne rentre dans le loose n'est pas un résident, ou en tout cas qui n'a rien à faire ici, n'hésitez pas à prévenir soit nous, les bénévoles, soit directement la police. D'accord. Dorénavant, le loose aura la porte fermée. Tous les résidents qui veulent rentrer, vous appellerez l'un des bénévoles. Hein ? Oh non, ça va être casse-couille, ça, parce que moi, je rentre à 5h du matin. Donc... Oui, ça va être casse-couille. Oui, je sais que ça va être casse-couille, mais il y a des gens qui restent dans les mêmes horaires que toi, Bobby. Bah non, débrouillez-vous pour nous avoir des paires de clés. On n'a pas des bandes de gens pour pouvoir rentrer, ça, c'est pas cool. Hein. Dans ce cas-là, j'appellerai un agent immobilier demain et je ferai des doubles de clés pour tout le monde. Bah oui, parce que moi, je suis désolée, je vais pas vous commencer à essayer d'appeler un bénévole. Je suis désolée, hein, mais c'est pas le genre de choses que j'apprécie. Non, c'est énorme. Je pensais qu'en fait, les bénévoles avaient les clés, même si on fermait devant. Non, pas les bénévoles n'ont pas les clés. C'est que ceux qui en ont. Ok, on verra avec Winter pour que vous ayez automatiquement. Winter, elle est pas là dans deux jours. Dans oui, deux jours, je sais, mais on peut faut attendre. Prendre une décision maintenant. Bah, on décision, va prendre une vous décision. Vous ouvert et vous mettez une caméra à l'entrée, c'est aussi simple que ça. Ça coûte moins cher et au moins vous êtes tranquille. Hein. Vous mettez il y aura une caméra aussi. Et on va laisser des patrouilles de. Et là, moi, je fais videur, moi, videur de foyer. Si tu veux, ça rentre, mais ça sûr. Tu voulais du travail. Ah oui. Voilà, tu vas faire vigile. Au pire, chacun prend le relais la mais nuit. Ouais, moi, t'inquiète, hein, moi, je l'attends. Hein. Je prends ah mon sac moi aussi, je l'attends. Je lui donne des coups de sac. Bah, c'est très gentil, les copains. Tout à rien. Pas de soucis. Bah, c'est normal, c'est notre chez nous aussi. Bah oui, c'est la maison de la famille, quoi. On va te défendre. Et ça, on n'a pas des éponges pour nettoyer? Je vais en chercher, il faut juste qu'on le laisse encore quelques. Un petit peu de temps, le ouais, temps sinon que ça va les collègues sur, du... sur le truc. Ah oui, vous allez faire des ouais, photos. Ouais, c'est. Ouais. Faut ouais. que mes collègues viennent pour qu'on puisse faire les dépositions. Eh ben, quelle soirée. Oh, l'angoisse. Ouais. Moi, je m'ai épuisé, moi. Ouais, moi aussi. Je vais aller me voyez coucher. Voyez pas la soirée en mal. Retenez non, que non, la non, rando a été super. Dommage. Oui, ça, ouais. On s'est bien amusé. Merci. C'était bien marrant, oui. Merci. On a failli tous crever. Mais on retiendra que c'était quand même très marrant, franchement. Non, bah écoutez, désolé, hein, mais moi ça m'a énervé. Bonne nuit. Bonne nuit, Bobby. Bonne nuit, tout le monde. On a de rien, on se rend pas compte. Quoi ? Non, mais je trouve que t'es là. Bah, dis, t'as un gros cul. 180 au squat, ça y va. Ah ouais, c'est les squats, bien sûr. Un gros cul, là. Viens, Jacob, on va faire tes examens. Côté. Ah là là, je te jure. Ouais. Marion.